messieurs, dames, bonsoir à tous. Bienvenue dans cet épisode 3 de Débloc. Je suis en compagnie de Matou, ici présente. Bien le bonsoir. On espère que vous allez bien. Désolé pour la petite attente. Quelques dernières petites rectifications. Merci beaucoup pour tous les follow qu'il y a eu déjà. Merci beaucoup à la team des Curcubitacées. Je l'ai dit, j'ai bien dit. Les Curcubitacées, bien joué. Curcubitacées, ok. Je vous embrasse déjà. Merci à tous d'être ici. J'espère que vous allez bien. Mathilde ne s'est pas du tout renseignée sur des blocs. Tu sais à peu près ce qui va se passer. Vous qui regardez peut-être l'émission pour la première fois, vous ne savez peut-être pas ce qui va se passer. Donc déjà, on a une caméra, voilà, comme ça, vous pouvez nous voir. Nous deux, on n'est pas trop mal cadrés. Et on va avoir une caméra directement sur Mathilde ici. Voilà, hop, je vais me rapprocher un petit peu. Wow. Voilà. On se permet des réglages en plein live parce que ceci, ça, l'esprit des blocs, c'est des retards et une organisation moyenne. Mais c'est ça qu'on apprécie. Mm-mm. Je vais déjà peut-être commencer par te présenter le concept. Après, on pourrait commencer à parler, tu vois. Vas-y, je te présente le concept. Je te mets un petit peu, voilà, les règles qu'il va y avoir, etc. Comme ça, tu sais dans quoi est-ce que tu as mis les pieds. Oui. Là, juste à chaud, comme ça. Comment tu te sens? Ça va? Tu sais un peu ce qui va se passer? Ben, je sais à peu près ce qui va se passer, mais comme je t'ai dit en off, je n'ai jamais fait de Lego de toute ma vie. Donc, ça annonce la couleur. Et ça, c'est une info très, très, très intéressante pour nous. Jamais. Parce que, je le rappelle, le but, c'est que tu ailles forcément le plus loin possible sur justement ce Lego qui va faire 577 pièces. Donc, tu as quand même de quoi faire. Ce n'est pas rien. Et tu vas avoir une heure et demie pour le faire. Tu vas pouvoir gagner du temps en répondant bien aux différentes épreuves. Vous allez voir qu'il va y avoir différentes épreuves, etc. Où elle va pouvoir gagner du temps. Peut-être aussi J'espère. En perdre. Non, juste en gagner. Non, juste en gagner. Ok, dans ce cas-là, il va falloir perf. Tu vas avoir différentes épreuves. Donc, le but du jeu, c'est de terminer donc, le Lego. Tu verras, il y a des signatures dans le livret. Si tu ne croises aucune signature, globalement, c'est que c'est mauvais signe parce que chaque personne qui est venue dans des blocs a signé à l'étape à laquelle elle s'est arrêtée. Ok. Donc, si tu vois pas de signature, c'est que c'est la merde. Brouille. Très bien. Ok, j'ai exactement, compris. Exactement. Donc, voilà, tu as un objectif, c'est de faire ça. Il va y avoir différentes épreuves. La première épreuve, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un quiz. Ok. Un quiz avec différentes questions. Si jamais tu réponds bon à chaque question, tu vas voir c'est vrai ou faux. Oh, c'est ok. D'accord. Ça va être une catégorie qui va être totalement aléatoire. Oh, si tu réponds bon, tu gagnes 30 secondes. Si tu réponds mauvais, il se passe rien. D'accord. Voilà. Si tu fais un sans faute, on verra, on négociera du temps. Si jamais tu arrives à faire au moins 9 sur 10... On négociera du temps. Voilà, on négociera peut-être quelques minutes supplémentaires. Oh, je négocie de fou. Ok. Ensuite, tu vas voir la deuxième épreuve qui va être le juste bloc. Le juste bloc, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le juste prix. Ouais. Je vais te montrer des Lego sur l'écran que tu as juste en face de toi. Ok. Et tu vas devoir deviner le nombre de pièces exactes. Et pour ça, je te dirai c'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins. Jusqu'à ce que tu trouves le nombre exact de Lego et tu auras 25 secondes pour faire chacun des Lego. D'accord. Ok. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière épreuve, c'est PotGPT. PotGPT, ok. PotGPT, qu'est-ce que ça t'évoque? ChatGPT de base, mais... ChatGPT de base. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ChatGPT? Ça me semble tellement random, il y a tellement de possibilités. Je sais pas, franchement. Aucune idée? Eh ben, c'est très très bien. Parce qu'en fait, PotGPT, je vais demander à ChatGPT de me donner 5 mots. Ok. Et tu vas devoir appeler quelqu'un, la personne de ton choix, pour lui faire deviner les 5 mots, sans bien sûr lui donner d'indices. Par exemple, si je te dis, je sais pas, c'est une tasse, ok, objet pour prendre le petit déjeuner. Tac, ok, tasse café, non, plus grand, plus petit, etc. Et tu vas devoir lui faire deviner. Ok. Du coup, au téléphone, et tu auras 2 minutes. Si tu arrives à le faire avant les 2 minutes, tu gagneras, bien sûr, du temps. Ouh, ok, très voilà. Bien. Voilà, j'espère que t'es en forme. J'espère surtout qu'ils vont décrocher. Et j'espère surtout qu'ils vont décrocher, parce que si jamais ils ne décrochent pas, tu perds 1 minute. Ok, les cucurbitacées, préparez-vous, au cas où les modérateurs, soyez au taquet, on sait jamais. Si jamais on a besoin d'appeler, les faire potentiellement monter sur le session live, si jamais vous voyez des bonnes aides pour m'aider, parce que ça va être chaud de fou furieux. Comme ça, j'essaierai de me connecter sur le Discord et de faire les interrogations si jamais ça répond pas. Vous avez intérêt à répondre, parce que si vous répondez pas, vous allez vraiment la mettre dans la mouise. À savoir qu'elle n'a quand même jamais fait de Lego. Donc là... On voit déjà des messages. C'est bon, t'as déjà des messages en mode « T'inquiète, je suis là, on va y aller. » clairement des messages des modérateurs. Oh là ok, là. Bah c'est parfait. Ils vont devoir être bien, bien, bien rodés. Parce que voilà, si jamais tu rates, si jamais personne ne décroche, tu perdras 1 minute. Et le but, c'est que tu gagnes un maximum de temps pour aller le plus vite possible. Ok.
Ok. Voilà. Et la dernière épreuve, ce sera le jeu du canard. Mais ça, vous en parlerez à la fin parce qu'en fait, on va s'affronter sur une épreuve qui s'appelle le jeu du canard. Ok. Si tu gagnes le jeu du canard, tu auras 5 minutes de temps supplémentaire avec la musique de ton choix dans les oreilles et je n'aurai pas droit de t'embêter ni de te poser de questions pendant 5 minutes. Donc c'est là, c'est ce moment-là où tu vas rush, où tu vas tout donner pour aller le plus loin possible. Ça va être tendu, mais ouais, pas de soucis. Voilà. Est-ce que tu as des questions ? Jusqu'ici, non. Juste mes modérateurs, quand je leur ai posé la question, m'ont dit non, mais t'inquiète pas, on va pas le faire. Donc j'espère que ça ira, j'espère que vous êtes chaud. On l'espère. Petit truc technique avant, j'ai voulu prendre la tablette pour que ça prenne moins de place, sauf qu'en fait, c'est sur mon PC portable que j'ai Google Drive. Donc j'avais demandé à ma superbe assistante, qui est également ma modératrice Lani, de me livrer ce qu'on appelle un PC portable et je vais ranger la tablette. Ça fait partie des happenings. C'est le premier happening, en effet, et j'espère qu'il vous aura plu. Celui-ci l'a mis longtemps à se préparer exactement. Mais en fait, je suis bête parce que c'est sur mes Google Notes que j'ai justement toutes les infos des Lego, le nombre de Lego, etc. qu'il y a. Non, en vrai, non, t'inquiète. Juste le chargeur, ouais, qu'il faudra brancher. Voilà. Désolé pour ces derniers contretemps, mais voilà. C'est très drôle parce que j'ai des copines. Du coup, Sabrina qui m'envoie « Appelle-moi Mathilde, hâte de te voir galérer. » Oh, bah écoute, je saurai. Ok, très bien. Je sais qui appeler. Tu sais qui appeler ? Okay. J'ai déjà une liste qui commence à se... T'as déjà une liste de personnes qui commencent ? Okay. Bah écoutez, c'est parfait. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Je suis désolé pour les petits contretemps. Attends, hop. Voilà, on est streamer, vous avez l'habitude. Non, mais avant, on a pris l'apéro, en fait, pour être totalement franc. On a pris l'apéro, c'est vrai que... on a pris notre temps, voilà. Et il y a quelques petites choses qui n'avaient pas été préparées. Je m'en excuse, bien sûr, mais comme je l'ai dit, c'est l'esprit des blocs. J'ai pas envie de te mettre la pression, non. Matou, mais je m'apprête à cliquer sur le chronomètre. Je te serre la main et je te dis bonne chance, d'accord ? Sois forte. Ça va le faire, tu vas réussir, concentre-toi. Oui, bah oui. Essaie de rester au maximum concentré sur les Lego. Ok. Mais voilà, il faudra quand même que tu répondes aux questions que je vais te poser, aux épreuves, etc. que tu vas avoir. Ok, très bien. Et comme on dit... Oh putain, c'est comme ça. Attendez-vous. En même temps. Ah putain, ils m'avaient prévu qu'ils allaient être insupportables. Bah parfait. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire... 3, 2, 1, le chronomètre est lancé. Je tiens à dire que c'est la première fois que j'ouvre un livre Lego. 1h30, c'est le temps que tu vas avoir pour réaliser ce Lego. Ok, alors déjà, bonne chance. Il y a les deux petites bandes là, je sais pas si c'était... Normalement, tu les as... Je crois qu'on les a enlevées tout à l'heure. Elles sont à côté des chips, en effet. Mais c'est aussi ça, l'esprit des blocs. Je vais sortir cette phrase à chaque fois comme excuse, d'accord ? Parfait. Si vous n'êtes pas content de cette excuse, je suis désolé, j'ai rien d'autre à vous proposer. D'accord ? J'ai rien d'autre à vous proposer. Je vais pouvoir ouvrir du coup mes petites notes avec le nombre de Lego, etc. qu'il y a. Après, je t'ai pas parlé d'une autre épreuve. Ouais, fais-moi rêver. Je t'ai pas parlé. Oh là là, incroyable, mais merci beaucoup. Bah écoute, merci Hugo, merci pour ton don de 10 euros. Incroyable. Mec, en direct du Mexique, merci beaucoup, tu régales. Plein de bisous, merci beaucoup gros. Oui. Je sais pas si je t'appelle Matou ou Mathilde. Tu peux faire les deux. Ok, Matou Mathilde. Oui. Est-ce que je t'ai parlé de la première épreuve ? Oui, mais c'est possible que je l'ai déjà oublié parce que je suis pas du tout tendue là. C'est exactement ce que je voulais savoir. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a une épreuve qu'on ne vous ai pas parlé parce que voilà, ça va se dérouler en deux étapes. Okay. D'accord ? Tu vas avoir une première étape où tu vas devoir faire un choix. Très bien. Le choix va être le suivant. Est-ce que ma superbe assistante peut m'apporter ce qui pourrait me servir de boîte pour le premier happening ? Je vais même encore rapprocher un poil de la caméra. Je tiens quand même à vous dire que j'ai réussi à faire ça. C'est le début, mais c'est le numéro 2. Mais j'ai réussi à le faire. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est pas mal. Et franchement, c'est une très très belle perf. Merci. Pour quelqu'un qui débute. Oui, bah oui. Écoutez, il y a quelque chose. Enfin, en fait, la caméra, on voit trop d'ici. C'est un enfer, les plans, les gars. C'est ça, hein, l'esprit des blocs. C'est ça. C'est des fails. C'est voilà, c'est une émission fait maison, les gars. On fait au mieux. C'est comme ça, voilà, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on aura des studios, on verra. C'est très Matou. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais te présenter deux boîtes, d'accord ? Il y a une boîte rouge, il y a une boîte noire. Ouais. Surtout, reste concentré sur le Lego. Mais il va peut-être falloir que tu commences à faire un premier choix, on va dire. Ok. Devant elle se trouvent deux boîtes. Donc, comme vous pouvez le voir, une boîte rouge et une boîte noire ici présente. Ouais. Dans une des deux boîtes, il va y avoir quelque chose de sympathique.
Ok. Dans une autre boîte, il peut y avoir quelque chose de mieux. Ou de... Il peut y avoir quelque chose de pire. Ouais, c'est surtout ça que j'attendais, le quelque chose de pire, évidemment. Voilà. Donc. T'es pas sympathique du tout, en fait. T'es pas sympathique. Je vais regarder quand même ce qui se passe dans cette boîte-là. Je vais vérifier afin de t'orienter vers peut-être. La meilleure boîte. La meilleure boîte. J'espère. Écoute, il y a deux boîtes. Et ouais. Dans la boîte rouge, c'est compliqué. Oh, dans la boîte noire, ça peut être plus compliqué, mais il peut y avoir une petite surprise avec. Ok. Tu sais quoi, je vais être sympa et je vais te dire ce qu'il y a dans la boîte noire. D'accord. Et ce sera à toi de me faire confiance ou pas. Matou, dans la boîte noire... Oui, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire? Tu peux gagner 2 minutes de temps supplémentaire et... Je peux gagner, ok. Tu as un petit cadeau. Un petit cadeau. Oh, voilà, il y a un petit cadeau, il y a quelque chose. Après, j'ai pas dit la nature du cadeau, j'ai pas dit si le cadeau était bien, j'ai pas dit si le cadeau était mal. Mais tu as un petit cadeau dans la boîte noire. Ok. Alors attends, je t'interromps juste 2 secondes. Est-ce que je peux prendre la petite pelle, le truc orange que j'ai laissé là-bas? Je suis vraiment... Tu t'es déjà trompé? En fait, ça a pas la même couleur. Merci. Ah. En effet, c'est compliqué et il faut faire très attention aux couleurs parce qu'en fonction de, même des formes, etc. Tu peux avoir du noir foncé, du noir clair, un peu gris, tu vois. Bravo, tu as réussi. Je n'ai jamais utilisé. C'est une très très belle performance. Boîte noire, 2 minutes et un petit cadeau. Boîte rouge, quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Mais... Tu vas devoir faire un choix et on l'ouvrira à une heure pile de temps. Une heure pile de temps. Déjà, moi, j'ai une première question, c'est toi, tu ouvrirais laquelle? Moi, j'ouvrirais laquelle? Ouais. En vrai de vrai, moi, ma couleur préférée, c'est le rouge. Moi aussi. Ah. C'est chiant. c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Après, est-ce que je savais que ta couleur préférée, c'était le rouge? Oh, c'est chiant. C'est possible peut-être, mais tu m'as dit que tu m'as donné plus d'indices sur la noire, donc j'aurais tendance à dire la noire, il y a moyen de gagner des minutes, ce qui serait pas dégueu pour mon cas, peut-être désespéré. Donc j'aurais tendance à, même si j'adore le rouge, hein, peut-être choisir la boîte noire. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire une prédiction et ou un pool pour savoir quelle boîte choisirait le chat peut-être? Est-ce que tu veux qu'il décide pour toi? Est-ce que tu veux que le chat décide pour toi? C'est tout à fait possible. Le chat peut décider pour toi si tu dois choisir la boîte rouge ou si tu dois choisir la boîte noire. On peut faire un poll si tu veux. Bah écoutez chat, j'ai totalement confiance en la team des Cucurbitacées et vous devez essayer de me faire gagner les gars pour montrer qu'on est la meilleure communauté. Donc je... Attends, tu peux la refaire du coup, c'était cette caméra, vas-y, ok, 3, 2, 1, regarde sur celle-ci. On est la meilleure communauté, vous devez me faire gagner parce qu'on est ensemble. Du coup, je vous laisse choisir ma boîte. Moi, j'aurais tendance à prendre la noire parce qu'il y a potentiellement 2 minutes en plus. Et peut-être une surprise, bonne ou mauvaise, mais voilà. Je vous laisse choisir, chat. Je vous laisse choisir. Je leur fais confiance parce que je les aime tellement. Voilà, alors après, est-ce que vous allez... Mettre bien Matou ou pas? Bah après on sait. On va voir. Messieurs, dames, le sondage est lancé. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter bonne fête à toutes les Mathildes de France. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est à Saint-Mathilde. Oui. Voilà, est-ce que pour ça, vu que t'as jamais fait de Lego et tout, je te rajouterai pas 2 minutes juste pour ta fête? Moi, je mérite. C'est quoi? Juste parce que c'est ta fête, oh, je te rajoute 2 minutes. Voilà, je te rajoute 2 minutes parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Mathilde. Franchement, je suis vraiment... Vraiment très sympa. C'est très généreux. C'est vraiment 2 minutes, surtout que c'est vraiment 2 minutes très très précieuses. Oui, clairement. Voilà, on le sait, hein. On le sait. Je prends toutes les minutes. Pour l'instant, les gens diraient de choisir la boîte noire. On a 6 contre 5. J'espère vraiment que c'est un bon choix qu'ont fait les Cucurbitacées. J'espère pour vous que c'est le bon choix que vous êtes actuellement en train de faire. On va voir. Peut-être que ta communauté va te mettre très très bien. Peut-être que ta communauté va te mettre en PLS. Très très mal. Et dans ce cas-là, ce serait vraiment dommage. Ah, ce serait super dommage. On serait triste, hein, vraiment. En espérant que tu dans la boîte noire, il y a tout. Bah, je n'ai pas le choix. Je leur fais confiance. C'est vrai que dans tous les cas, tu n'as pas le choix. C'est là, soit tu prends ta décision et tu dis, ok, je choisis la boîte noire. Oui. Ou la boîte rouge. Peut-être que la boîte rouge, ça peut être mieux. Je sais pas. Ça peut être pire. Moi, j'ai l'impression que c'est pire. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas de choses à gagner dedans. Donc Ok, tu sais quoi? On va faire comme à l'ancienne sur apprendre ou à laisser, d'accord? Étudie mon regard, d'accord? Je vais regarder ce qui se passe dans la boîte. Attendez, je galère à ouvrir la boîte. Déjà, ouvre la boîte. La boîte est ouverte. Ok. Les jeux sont faits. Je sais que t'aimes pas le conflit, mais du coup, si je te dis, si jamais il y a quelque chose de mal dans cette boîte et que je commence à m'énerver et tout,
tu serais mal à l'aise. Donc peut-être qu'il faudrait que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Mathilde, dans cette boîte. Oui. C'est beaucoup mieux. Mais de toute façon, c'est le chat qui décide et le chat a décidé. La boîte rouge a 8 contre 7. C'est... Donc ça veut dire que quand même, je vous ai dit, c'était peut-être mieux là-dedans et vous avez voté. Après, c'est peut-être ma commu qui a dit, vas-y, tu sais quoi, on ouais, va la mettre dans la merde. Ouais, ok, j'en profite pour lire des messages un peu au hasard dans le chat. Tu es très bien rasé, Frosties, ce soir, je trouve. Merci beaucoup. Incroyable. Tu es rayonnant, Frosties. Merci beaucoup. J'adore. Donc, on ouvrira la boîte rouge. Très bien, j'ai compris. Et bah, boîte rouge. J'ai voté noir, Matou. Soraya qui a voté noir, qui veut pas. Voilà, qui tient à dire la vérité. Donne-moi merci les noms. Merci à toi pour son soutien. N'hésite pas à me donner les noms, je vais bien retenir. Épuisant. Le hasard. Oui, bien sûr. Là, de toute façon, c'est le pur hasard, hein, les gars. On peut, du coup, éliminer la boîte noire. Je vais les donner à mon assistant. Donc, on retiendra bien la boîte rouge. Et à la fin du live, je te dirai ce qu'il y avait dans la boîte noire. Et on verra, du coup, si jamais bien fait d'écouter ta communauté, ma communauté ou pas. C'est terrible. Voilà. Ça me fait un peu peur. 1h23. Alors, où est-ce que tu en es? Bah en fait, j'essaie de faire rentrer cette petite pièce. Je suis au niveau 9. Je ne sais pas si vous voyez là. Niveau 9. Et j'ai cette petite pièce ici qui a l'air d'être celle-ci, mais je n'ai pas l'impression que ça rentre. Je ne sais pas si c'est moi qui fais une mauvaise manie, peut-être. Tu as l'air d'être deux petits carrés. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air de rentrer. C'est peut-être un peu plus gros, mais ça me paraît être celle-là quand même. Hein. Je suis en petite hésitation. Petite hésitation. Ah, en fait, ça rentre. C'est juste. Quoique, je ne sais pas. Je suis pas sûre de l'info. On est quand même sur le début du concept. Donc ça va être compliqué si déjà, dès maintenant, est-ce que je peux peut-être te donner un indice? Bah je veux bien, parce que j'ai l'impression que ça rentre comme ça, mais... C'est exactement comme ça. Ok. C'est bien, tu ne t'es pas trompé. En fait, confiance en tes capacités, même si tu étais Team Playmobil. T'inquiète pas, c'est vrai qu'on peut peut-être lancer un sondage. Est-ce que Matou va réussir à faire mieux que le précédent concurrent qui a été jusqu'à l'étape 107, à savoir que là, Matou est à l'étape numéro 10. Est-ce qu'elle va réussir à faire mieux? Toujours 9. On va le voir, pardon, excusez-moi, non, je vais peut-être un peu trop vite, je vais peut-être un peu surestimer oui, la personne. Oui, c'est totalement vrai. Peut-être. Parce qu'après tout, c'est quand même moi qui fais le triage et je me rends compte aujourd'hui que ce triage n'est pas forcément... Était un petit peu bancal. Oui, on peut sortir le mot bancal, on peut sortir random. Je pense que aussi. Le mot bancal est plutôt bien adapté. Il est vraiment très adapté, là. La technique de mettre toutes les petites pièces ensemble n'était peut-être pas la meilleure technique du siècle, mais cependant, les joueuses Playmobil comme moi ne pouvaient pas deviner. Qu'il y allait avoir plusieurs petites pièces. Effectivement. C'est vrai parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais c'est Matou qui a décidé de la manière dont elle souhaitait trier les Lego, donc j'impose rien aux différents participants, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien décider de choisir de les trier par couleur, de les trier par pièce, de les trier par forme, etc. Oui, de les trier par pièce, bah oui, forcément. Par forme, par couleur, par peut-être, je sais pas, épaisseur. Il y a plein de choix qui sont possibles. Et après, voilà, libre à toi de voir là où tu es la plus à l'aise. Bah, franchement, je voilà. Fais pas grand-chose. Écoute, j'ai envie, il est quelle heure? 1h20 de timing. Okay. J'ai envie qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance. Vas-y. Et qu'on décide de lancer la première épreuve. Oui. Qui est, messieurs, dames, le choix qui bloque, jingle. Le choix qui bloque, oui. Qu'est-ce que c'est, Matou? Tu vas avoir différentes questions ouais. auxquelles tu vas devoir répondre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est, est-ce que c'est faux? Okay. Voilà, la catégorie va être aléatoire. Je vais tout simplement aller scroller sur le fameux jeu Typo Quiz et nous allons donc tomber sur une catégorie. Et tu vas devoir voir est-ce que c'est une catégorie qui te plaît ou pas. Je vais m'arrêter sur la ligne et tu devras choisir entre les trois catégories qu'il y a. Voilà, je te conseille de continuer à faire le Lego, t'inquiète pas. Essaie de perdre le moins de temps possible. Oui, vraiment. Sûr. Je pense que c'est un conseil qu'il faut que je donne à chaque participant ou participante. C'est que vraiment, il faut rester focus sur Lego quoi qu'il arrive. D'accord? Quoi qu'il arrive, restez focus sur le Lego. Voilà, pour les prochains participants qui regardent. Je ne vis que très Lego. Important. Très bien. Nous allons donc découvrir tous les quiz. Est-ce que tu es prête? Oui. Je vais scroller, tu vas me dire stop et je vais m'arrêter du coup sur trois catégories différentes. Alors attendez, J'ai vu une catégorie Kylian Mbappé, déjà ça me plaît pas beaucoup. Kylian Mbappé, c'est... Ah, quel dommage. Alors attendez, juste vous mettre la scène, histoire qu'elle soit... Si au moins il y avait... Ah, je vois des trucs Harry Potter, je vois... Qu'elle soit bonne, tac.
Timothée Chalamet, aka Mouad Dib, comme on dit. Voilà, là vous l'avez, c'est bon. Alors, est-ce que tu es prêt? Tu vas me dire stop et je vais arrêter de scroller. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Stop. Oh, je sais pas où on est. Alors, tu as le choix entre les temples, les pieuvres ou les expressions françaises. Expression française. Vous savez quoi, j'ai eu 18 au bac, ça devrait le faire. Putain. Très bien, nous allons choisir les expressions françaises. Très bien. C'est parti. Ok. Alors, je colle ça là. Nous allons lancer le quiz tout de suite. On va prendre une petite gorgée d'eau. Prends une petite gorgée, comme ça j'en profite pour chercher mes pièces. Exactement, exactement. On nous dit excuse-nous dans le chat parce qu'apparemment tu impressionnes quand même certaines personnes ici par cette note assez. Assez élevé au bac. Soyez impressionnés. Vrai ou faux? Ok. Donner de la confiture aux cochons signifie engraisser des bêtes pour les manger. De la confiture aux cochons. Non, c'est faux. C'est faux. Il me semble que c'est pour faire parler les débiles. Je sais plus. Les bavards. Les bavards, ouais, les bavards. Un truc comme ça. Donc tu dirais que c'est faux? Oui, c'est faux. C'est une bonne réponse. Tu gagnes 30 secondes supplémentaires. Je te les ajoute à chaque fois, du coup. Voilà. Du coup, ça voulait bien dire ça? C'était un ça voulait bien dire ça. C'est vrai que je suis un peu loin pour lire. Ah oui, c'est vrai que... Je suis un poil loin pour lire. On peut le... Ah, après, je peux le voir ici sur l'écran. Tu veux peut-être avoir en effet les réponses à chaque fois? Ah, je veux bien. Pour ta culture. Très bien. La réponse est faux. Cette expression signifie plutôt donner quelque chose à quelqu'un qui ne saura l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vu comme ça. Vu comme ça. Vu comme ça. Très bien. Question numéro 2. Oui. Se mettre... Martel en tête veut dire se faire du souci. Oui, oui, oui. Ça, c'est oui, une bonne réponse. Yes. Ça, c'est une bonne réponse. On est sûr et certain. Ouais, je suis sûr et certaine. Ma daronne le dit assez souvent. Très bien. Pas en parlant de moi, mais enfin, j'espère. Ah, alors ça, c'est quelque chose qu'on réglera après. Après l'émission. Le live, hein. Exactement. Et bien, dans ce cas-là, on nous a répondu que c'est vrai. Let's c'est go. Encore une bonne réponse. N'oublions pas ce que je t'ai dit. Si jamais tu arrives à faire 10 sur 10. Oui. Voilà, on négociera peut-être du temps supplémentaire. On négociera peut-être du temps supplémentaire. C'est pas là où j'appelle des gens encore? Non, l'appel des gens, okay. Pote GPT, ce sera à la toute fin. Très exactement. Bien. Très bien. Vrai ou faux? Rire comme un bossu veut dire rire sans retenue, à gorge déployée. Rire comme un bossu? À gorge déployée. En vrai, ça pourrait être vrai. Ou alors ça veut dire genre faire beaucoup de bruit, mais je pense que ça pourrait être vrai. Allez, vrai, je dirais. Votre vrai? Je dirais vrai, je connais pas du tout. Et c'est une bonne réponse. Ouh. Et c'est une bonne réponse. Let's bien go. Joué à toi. Bien joué à toi, bien joué à toi. Est-ce que vous sentez peut-être déjà un peu sur mon visage quand je dis le bien joué à toi dans ma tête, je suis en mode putain merde, elle a réussi. Vivement voilà. Vivement qu'elle perde du temps. J'ai mal. Exactement ça. C'est exactement ça. Oh purée. Question suivante. Pour l'instant, c'est bien. Tu fais un sans faute. C'est appréciable. Bravo à toi. Question suivante. Être trempé comme une soupe signifie être en sueur. Alors pour moi, être trempé comme une soupe, ça veut juste dire avoir peut-être de la flotte qui t'est tombée dessus, genre une petite drage du Nord. Donc je suis pas sûre que ce soit être en sueur. Je dirais non, parce que ça correspondrait peut-être pas à être en sueur. Non. Tu vas répondre faux? Ouais, je répondrai faux. Et c'est une bonne réponse. Alléluia! Félicitations. C'est félicitations. Oh, je m'en sors. Et en plus, je trouve mes pièces. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai déposé votre magazine mensuel dans la boîte aux lettres. Bon, désolé pour l'heure tardive, mais voilà. 21h10, ok. C'est dans votre boîte aux lettres. 21h10. Ok. Vas-y, merci beaucoup. Magazine. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Qu'est-ce que c'est? Wesh. Ça... Je sais pas si ça fait partie du show ou pas. Du coup, je vais vous continuer de vous divertir. Je suis actuellement à la partie 16. On avance super bien pour une meuf qui est pas très douée en Lego. Et c'est censé ressembler à... Je crois que c'est un T-Rex. Est-ce que vous voyez la ressemblance ou pas? Moi, non. Je crois qu'ils sont gourés, hein. Mathilde Lacourge. Ah oui, c'est moi. Mathilde Lacourge. Attends, mais c'est quoi ce livreur, là? Oh, je suis mort. C'est quoi cette dinguerie? Putain, elle était en numéro privé. Oui, mon nom de famille, c'est Mathilde Lacourge, évidemment. Attends, mais c'est quoi ce délire? Ça me fait... Par contre, les gars, il y a un vrai problème, là. Un vrai problème? Mais attends, 21h10, à quel moment les gens ils m'appellent à 21h10? En plus, je commande même pas de magazine. Oh non. Je commande même pas de magazine, c'est quoi cette merde? Attends, je vais signaler sur l'appli Orange, là. Signale-le bien. Signale-le bien, merde. Il y
Il y a ma grosse tête en gros plan. J'espère que t'as pas... Ouf, j'ai eu peur qu'il y ait des photos anciennes de moi. Je me suis dit, ouh, ça va être terrible. C'est quoi du coup? C'est toi qui as commandé ça? Ouais, ouais, j'ai fait livrer ça chez toi. Rouge Magazine, ok, pas mal. T'as stylé. En vrai, la couverture, elle est pas mal. Elle est bien, hein? Elle est pas mal, elle est pas mal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Y a quoi dedans, du coup? Parce que moi, je connais pas du tout ce magazine. Alors, ouf, je... Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Alors, première page. Ouf, je sais pas si je peux vous montrer ça. C'est un peu hot. C'est un peu hot. Ah. C'est des courges. Ah oui, ouais, en effet, on va peut-être. C'est des sacrées courges, hein. En effet, tu as reçu peut-être un magazine qui va peut-être te permettre de faire certaines choses. Il y a, comme tu l'as vu sur l'affiche promo, sur la couverture du magazine, une promo ce mois-ci sur 6 courges différentes. Voilà, il y a 6 courges qui sont en vente flash sur le mois de mars 2024. Oui. Et tu vas pouvoir choisir une des courges qui est à l'intérieur. Ok. Voilà, dans le magazine. En vrai, le temps que tu lises le magazine, je vais quand même te rajouter, voilà, je vais te rajouter 3 minutes supplémentaires parce que voilà, le temps que tu fasses ta décision, etc. Parce que de base, j'étais pas censé recevoir un colis à cette heure-ci. Donc voilà, on va dire, voilà, pour le petit, voilà, le petit événement qui vient de se passer, je te rajoute du temps. Donc tu as 6 courges différentes. Très bien. Chaque courge va te permettre, voilà, d'avoir différentes options dans des blocs. Tu peux les lire à voix haute si tu veux. Bah faisons ça. Alors on a la courge safe, et je sais très bien que si je vous fais décider de quelle courge prendre, vous ne prendrez pas celle-là. C'est une courge parfaite pour ne pas prendre de risques, donc voilà, je sais très bien que ça rajoute 2 minutes, mais vous ne prendrez pas celle-là. Par contre, ensuite, je vois la courge épicée, offre numéro 2, celle-là, je sens que vous aimeriez que je la prenne peut-être. C'est plus 8 minutes au chronomètre, mais je dois goûter la sauce piquante de l'émission. Aïe, aïe, aïe. On a la courge risquée, donc celle-là, elle offre 2 minutes de temps, mais du coup, on doit lancer une roue des gages, donc c'est possible aussi. On a aussi une courge fidèle à son image. Donc là, c'est 4 minutes en plus, mais on doit raconter une anecdote honteuse à mon sujet. Vous savez tellement de choses sur moi que finalement, bon. On a la courge non issue de l'agriculture biologique, aka la courge du rat, qui est très bien puisque c'est plus un sub. Je gagne un sub sur ma chaîne Twitch, mais pas de temps supplémentaire. Effectivement, le rat discret prudent. Et la courge du diable, la courge des gens méchants. Donc c'est moins 3 minutes, mais il doit prendre de la sauce piquante à ma place. Tu ne gagnes pas de temps, à savoir que tu es déjà à 1h16 et que tu as perdu je sais pas combien de temps à lire le magazine. Voilà, vous avez 6 offres. Qu'est-ce que vous voudriez voir? Donc ça peut être toi qui choisis la courge que tu préfères. Moi, je pense qu'on peut prendre du risque. J'hésitais entre la courge épicée qui rajoute 8 minutes ou tout 8 simplement... minutes et la sauce piquante. Et la courge risquée. Et la courge risquée, tu as la roue des gages. La roue des gages, tu peux gagner du temps. Tu peux gagner jusqu'à 3 minutes. Ouais. Mais tu peux aussi perdre du temps. Tu peux avoir des gages, tu peux avoir des malus, tu peux réavoir la sauce piquante. Il y a 8 gages qui sont possibles, dont 2 qui sont bénéfiques. Donc, est-ce que tu veux prendre le risque de gagner 2 minutes et d'avoir la roue des gages? Ou est-ce que tu te dis, ok, on va rester safe? On va peut-être prendre celle de 2 minutes. Est-ce qu'on va prendre celle de 8 minutes parce qu'on s'en bat les couilles de la sauce piquante? Voilà, n'hésitez pas à voter pour quelle courge vous préférez. Enfin, à dire un petit peu dans le chat. Vous pouvez voter, mais je pense qu'on va se mettre d'accord. Je vais pas prendre la courge safe. On va prendre peut-être la courge épicée parce que vous savez très bien, je suis une babe tout fragile et je supporte très mal les épices. Mais 8 minutes dans une vie... Qu'est-ce que c'est énormément pour ce 8 jeu 8 minutes dans des blocs, c'est plus que si tu gagnes le 1 contre 1 à la fin. Okay. Tu vois, c'est plus que si tu gagnes le 1 contre 1 à la fin. Parce mais que le 1 contre 1 à la fin, c'est plus 5 minutes. Je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une bonne offre. Tu vois, il faut qu'il y ait une bonne offre pour que tu puisses potentiellement le faire. C'est tout décidé, la courge épicée. Je pense que, est-ce que le chat est d'accord? Est-ce qu'il paraît confiant pour la courge épicée? Bon, je pense qu'ils seront chauds, hein, mais... N'hésitez pas à dire dans le chat, on me dit... Donc celle à 8 minutes, on me dit aussi courge du diable, courge 2 minutes, on me dit rappelle-toi la chips piquante, on me dit encore la courge justement épicée. Oui, et courge épicée. Courge du diable, c'est moins 3 quand même les gars, soyez gentils. C'est moins 3 en effet. Courge épicée. C'est moins 3 en effet. En plus, vous me voyez souffrir, mais 6 minutes. 8 minutes. C'est vrai que 8 minutes, en vrai de vrai, sur des blocs, c'est quand même pas mal. Ça peut être pas mal. C'est quand même pas mal. Moi, je suis d'avis de tenter. Pour l'instant, on en a 3 pour courge épicée. Oh, ça y est. Allez, chat. Réveillez-vous, là. Hein. Courge épicée, ici, on voit. Épicée, tu en as besoin, Matou. Ah, j'aurais pas dû lire ce petit message, là. tu en as besoin. En mode, non, t'as besoin de...
de reprendre de l'énergie, tu vois, la sauce piquante, ça va te, ça va te waouh, tu vois, ça va te donner un roulant d'énergie comme ça. Ah bah, je vais avoir un bon coup de fouet, comme on dit, ça va être super sympa. 8 minutes, c'est le temps que tu as perdu en live. Tu peux supprimer certains messages indésirables, du coup, sur le chat, s'il te plaît, que j'évite de les, lire. Je vais les lire. Mais courge épicée, mais pas en même, mais pas en même temps. Tu peux bannir Footy aussi. est-ce que du coup on est d'accord pour dire que courge épicée. On prend la courge épicée. Est-ce qu'on est certain sur ça? Moi je. Que la personne qui s'oppose se manifeste maintenant. Qu'elle parle. Ou se taise, à jamais. Exactement. Moi, si tout le monde est d'accord, on peut peut-être partir sur la courge. Bien sûr. Épicée. Ah ouais. Voilà, bien sûr. Ça n'arrivera pas tout de suite. Tout de suite. Très bien. Voilà, on fera ça, je pense, d'ici après l'ouverture de la boîte. Okay. D'accord. Après l'ouverture de la boîte. Tu as jusqu'à l'ouverture dans la boîte, voilà, peut-être pour prendre ta décision, on va dire, tu as 13 minutes pour prendre ta décision. Ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on retourne peut-être à notre quiz. Oui, oui, oui. Parce que tu peux quand même continuer de gagner du temps grâce à ces différentes questions. La question suivante, tirer le diable par la queue signifie avoir une vie débridée. Ça correspond avec la course du diable aussi. Effectivement, et j'aurais tendance à dire oui, il me semble, ou alors il me semble que tirer le diable par la queue, ouais, il me semble que c'est ça. Il me semble que je dirais vrai en tout cas. Tu dirais vrai? Oui. Très bien, c'est une mauvaise réponse. Son origine exacte est inconnue, cette expression signifie vivre dans la précarité et le dénuement. Ah, je pensais vraiment que c'était avoir une vie débridée. Très bien. Voilà, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Maintenant, je ne vis que de seum, clairement. Après, voilà, si tu fais une seule faute, on pourra quand même négocier, on pourra quand même parler. Mais il va falloir que tu te rattrapes sur les prochaines questions. Bien parce sûr. Que la suivante est « Aller à volo se dit d'une chose qui part à la dérive ». Il me semble que c'est ça, c'est c'est un peu le YOLO à l'ancienne, quoi. Je dirais vrai. Tu dirais vrai? Je dirais vrai, oui. Très bien. Et c'est une bonne réponse. J'ai peur maintenant. C'est une bonne réponse. J'avais pris de la confiance, j'ai plus du tout de confiance. Voilà, après, si tu n'as plus du tout de confiance, moi, je peux peut-être te briser un peu plus ta confiance. Parfait, ça Il te reste 1h12, tu es à l'étape 16. C'est positif, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. J'espère que c'est très positif. Ils sont épuisants, putain. C'est pour ça qu'on les aime. Pourquoi j'ai pas désactivé? Pourquoi est-ce que j'ai pas désactivé les bruitages, moi? Je suis vraiment, je le fais jamais. Ce genre d'émission, il faut enlever les bruitages. Il faut les enlever. Ça va, t'évites Il le faut. Non, ça va, en vrai, ça va. Tu évites le ouvou. Oui, je n'ai pas mis le ouvou. Que toi, d'ailleurs, tu peux faire. Oui, ouais. J'ai vu que derrière, tu avais une récompense de chaîne où tu faisais ça. Ouais, c'est terrible. C'est excellent. J'ai vu ça. Un grand moment à chaque fois. Je l'ai vécu en live hier. J'en ai vécu deux. Je crois hier ou avant-hier, c'était. Alors ça, on pourrait croire que c'est une 106 qui démarre, mais c'est un rire. C'est un rire. Question suivante. Oui. Question suivante. Qui dort dîne signifie qu'il faut manger pour bien dormir. Qui dort dîne, je suis pas sûre que ce soit ça. Il me semble que c'est une autre signification qui dort dîne. Non, je crois que c'est pas ça, c'est autre chose. Non, j'irai faux. Allez, faux. Faux ? Ouais, très bien, c'est faux. C'est faux ? Ça signifie quoi ? Oh, mais non, incroyable. Bonsoir, monsieur Wartek. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir ici. À nos côtés. Bienvenue. Très bien, félicitations. Incroyable. Question suivante. Oui, je suis prête. Pour l'instant, attends, j'ai oublié de te rajouter les 30 secondes. Et ça... Je suis en train de faire des efforts, je fais un super... Voilà, exactement. Félicitations. Je suis un peu outré. Question suivante. Oui. Tirer ses Greg est synonyme de s'enfuir. Tirer ses Greg, c'est très drôle parce que j'ai un modo qui s'appelle Greg et on fait toujours des petites blagues sur lui. Tirer ses Greg... Oh purée, alors Bloody, j'espère que ça correspond. Tirer ses Greg, tu sais quoi, je vais dire oui. Oui. J'en ai aucune idée, vraiment. Tirer ses Greg... Ouais, bah vas-y. Oui. Oui. Très bien. Nous allons voter vrai et la réponse est... C'est une bonne réponse. Bien joué. Pour l'instant, tu as fait une seule faute. Oui. Tu as fait une seule faute. Ma daronne serait si fière de moi. C'est vrai. Mais j'espère qu'elle te regarde actuellement. Tu as dit qu'ils étaient potentiellement sur live. Donc voilà, on les embrasse. on les embrasse. On a une kermesse. L'avant-dernière question. Si tu réponds bon aux deux questions qui arrivent, je t'offre 2 minutes. Voilà, okay. C'est fait. On n'en parle plus. Je t'offre 2 minutes supplémentaires. Ok. Payer en monnaie de singe. Oui, de singe, signifie grimacer. En vrai, je en vrai, payer de vrai. En monnaie de singe, j'aurais plutôt dire, tendance à dire que c'est peut-être un truc genre ouais, t'es un peu radin ou je sais pas quoi, parce que grimacer, ça paraît payer en monnaie de singe.
Oui. Ah, ou alors, genre, un singe, ça grimace, et donc, du coup... Non, vas-y, mais non, je reste sur la première. Tu restes sur la première étape ? Très bien. Ça pourrait être... Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est vrai ? Très bien, je vais cliquer sur faux. On est d'accord ? Oui, faux. Félicitations. Ah, bravo. Bravo, tu as hésité. Et jusqu'au dernier moment, tu aurais pu peut-être choisir l'autre option. J'aurais vraiment pu me gourer. C'était la bonne option. Dernière question, si tu réponds bon à celle-ci, je t'offre 2 minutes supplémentaires. Ok. Bailler aux corneilles est un synonyme de bailler de fatigue. J'ai un gros doute parce que bailler aux corneilles, pour moi, c'est ne rien faire en fait. Je crois que c'est ne rien faire ou un peu genre. Ou ne pas faire ton travail. Donc je dirais faux potentiellement. Faux ? Ouais, bailler. Tu valides ton choix. Est-ce que tu es sûr à 2000%? Je dirais que oui. Pour moi, c'est rien faire. C'est une bonne réponse. Félicitations, félicitations, félicitations. Ah, ma daronne va être fière de moi. Franchement, c'est beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Oh, je vais tout de suite t'offrir 2 minutes Let's supplémentaires. Let's go. Vraiment, félicitations. Voilà. Trop fait. Trop refait. Félicitations, félicitations. Vraiment, ça aurait pu peut-être mal se passer. Eh bien, non. 9 sur 10, c'est une belle perf. À savoir que le premier invité avait réussi à faire 19 sur 20. Sérieux ? Donc si tu as, comme lui, bon aux 10 prochaines questions, ouais. Vous rentreriez tous les deux dans l'histoire. Dans la légende. Voilà, dans la légende. Incroyable. De les blocs. Elle est trop forte, elle est trop forte. En effet, est-ce que vous avez vu ça ? J'adore. Est-ce que vous avez vu ça un peu ? C'est exceptionnel. Dans la légende. Il va y avoir du coup une deuxième main. Je pense que celle-ci, tu ne t'es pas renseignée. Il y en a une que j'aime bien faire. Il y en a une que j'aime bien faire. Est-ce que Mamie, tu peux écrire dinosaures sur le chat ? Ah non, je l'ai directement. Puisqu'on est dans le thème des dinosaures, tu vois. Peut-être que certains connaissent déjà. Peut-être que certains connaissent déjà cette catégorie, étant donné qu'on l'a déjà fait à un certain moment. Mm-hmm. Puisque bah, voilà, le thème du Lego, c'est sur les dinosaures. On s'est dit, voilà, on va peut-être faire une autre étape comme ça. On va du coup lancer le quiz sur les dinosaures, histoire d'être raccord. Et tu vas pouvoir gagner sur cette dernière manche, peut-être encore du temps supplémentaire. Je suis moins forte sur les dinosaures, j'avoue. T'es moins forte sur les dinosaures, vraiment très étrange. Hein. Très, très, très étrange. Je suis carrément moins douée, c'est dit. Les pointes du stégosaure se terminaient par des aiguillons extrêmement venimeux. J'en ai jamais entendu parler, mais ça pourrait être totalement possible parce que je ne suis absolument pas calée sur les dinosaures. En vrai, ça pourrait être un bon moyen de se défendre. Mais je dirais non. C'est non pour toi ? Oui, on n'en a jamais parlé dans Jurassic Park. Mais non ! Ah oui, la seule référence, c'est Jurassic Park. Mais la référence, c'est Jurassic Park, vraiment. Et c'est une bonne réponse. Ouh. Félicitations. Oh yes. Félicitations. Ça aurait été vraiment un animal trop fort avec... Supplémentaire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors... Le plus rapide des dinosaures pouvait courir à 70 km/h. Franchement, je pense que le plus rapide... 70 km/h. Je crois qu'un guépard, c'est à peu près... Je crois que ça doit être ça. Donc j'aurais tendance à dire oui, mais après ils ont des petites patounes quand même. Hein. Des petites patounes. Ils ont des petites patounes, mais ça veut pas dire forcément qu'ils sont très lents. Moi, je dirais oui. Allez, tu dirais oui ? Je dirais oui. Félicitations, c'est Let's une bonne réponse. Alors, c'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Mais je pense que Matou est en train de vraiment écrire l'histoire à son tour. En plus de Bubble, elle est également en train de réussir à avoir tout bon. Je te promets, je vais rester humble, mais parce que félicitations. Surtout, Après, petit check du Lego vite fait, regardez, on peut le voir sur sa cam. Actuellement, nous sommes... pardon, non. Ah, putain, j'ai un chat dans la gorge, est-ce que je pourrais avoir... Attends, d'ailleurs, j'ai une petite question. Ça paraît bien, ça, là-dedans ou parce que j'ai l'impression de faire un truc bien, là, mais... Genre, le petit truc, il va là, du coup, j'ai mis le bitonio, il sort, mais est-ce qu'il est censé sortir ? Oui, oui, il est censé sortir. T'inquiète, il n'y a aucun souci. Vraiment, il n'y a aucun souci. Vous sentez un petit peu là, en mode... Moi, je suis là pour performer. Voilà, hein. Ça commence à avoir chaud. Dans 9 minutes, on ouvrira la boîte qu'elle a décidé justement de choisir. Attention, hein, j'ai retenu les noms de ceux qui ont voté. Elle a retenu les noms et on va voir si elle a bien fait de vous faire confiance ou pas. Ah, c'est là. On va voir. C'est ça. Question suivante. Oui. Alors attends, parce que celui-là, j'ai du mal à le dire. Compsognathus était aussi gros qu'un cheval. Quelle est cette créature du démon ? Et c'est un dinosaure. Alors sur l'image, il a pas l'air aussi gros, mais en vrai, franchement, les bestiaux sont de base très gros, donc je dirais oui. Si ça se trouve, c'est encore plus gros. Hein. C'est jamais donc sûr. Donc tu dirais oui ? C'est aussi gros qu'un cheval, ça veut dire que ça peut être plus gros, mais c'est au moins aussi gros qu'un cheval. Moi, je dirais que c'est au moins aussi gros qu'un cheval. Très bien. Et c'est une mauvaise réponse. Quel dommage, Matou. Ah, on est su dessus. Quel dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est combien ce bestiau nul ? Il était petit. Et bah, il est éteint maintenant et c'est bien fait. Il était beaucoup plus petit, environ 1 mètre. Voilà, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Ok, j'ai fait ma tourelle là. Ma tourelle ? Ouais.
Tu l'as tout. Oui, tu l'as, je l'ai. Excellent, excellent, excellent. Je m'entraîne avec mes modos, c'est pour ça. C'est vrai, on a les jeux de mots là, ici ça fuse. Hein. Je pensais d'abord que Footy allait la faire en premier, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Trop rapide. Normalement, voilà, il y en a qui sont assez chauds sur les blagues, les jeux de mots, dès qu'il y en a un qui ont l'occasion, tac, ça tape. Direct, ça va. Hein. Ça m'étonne pas, ça direct, m'étonne pas. Ça va, hein. Question suivante. Les oiseaux seraient les descendants des théropodes. Des théropodes. On a pas perdu pour le dino. Des théropodes, je suis désolée, mais les théropodes, pour moi, on dirait un animal plutôt qui vit dans la mer. Un théropode. Je veux dire que l'image, elle me dit rien et tout. Théropode, j'aurais plutôt dans... Il y a un moment où j'avais des... Non, théropode. Non, je dirais non, parce que ça sonne vraiment trop animal de mer, là. J'ai cru que t'allais dire animal de merde, j'allais dire. Ouais, bah okay. Écoute, pourquoi pas, ce sera un animal de merde. Donc je répondrai. Je répondrai non. Très bien, c'est pour voir si tu suivais, c'est bien. Étape 19. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, mais quelle idée. Quel dommage, la réponse était vraie, bien sûr. Je n'ai pas du tout de maîtrise du... Cinquième question. Tyrannosaure Rex mesurait 5 à 6 mètres de longueur, soit autant qu'un éléphant adulte. En plus, j'ai vu un graphique il n'y a pas longtemps, c'est... Allez, on va mettre oui, je n'ai aucune idée de si ça peut être vrai ou pas. Je vais mettre vrai. Tu vas mettre vrai? Très bien. C'est une mauvaise réponse. C'est l'enchaînement. Quel dommage, on est sur un enchaînement de mauvaises réponses. Mais tu vas peut-être pouvoir te rattraper. Bah j'espère. Sur celle-ci, les griffes de Terini... Attends, oula, attendez, je vais la recommencer. Oh oui, bah je vais bien me rattraper. Les griffes de Terizinosaurus mesuraient 1 mètre, juste les griffes. Oh bah dis donc, je vais bien répondre à cette question. Je pense que tu as la réponse. Je vois la taille, franchement j'ai envie de dire oui. T'as envie de dire oui? C'est sûr, ça devait exister, allez. Et c'est une bonne réponse. Alléluia! Et c'est une bonne réponse, félicitations. Enfin. Septième question. Le mot dinosaure vient du latin et signifie monstre vert. C'est vrai que les dinosaures, ils sont toujours un peu, voilà... De manière verte, que ce soit sur les dessins, que ce soit dans les dessins animés, ils sont quand même très souvent verts. Ils sont très souvent verts, mais de base, c'est... En plus, c'est même pas ça. De base, ils sont censés avoir des plumes, donc j'aurais tendance à dire non. Non? Ouais, j'aurais tendance à dire... Je ne trouve pas mon Lego, là. Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Let's go! Bon, c'est félicitations, ça. Félicitations. Oh, vas-y, je ne trouve pas mon Lego, il me manque. Il te reste deux questions. Est-ce que tu vas pouvoir gagner encore une minute ou pas? À savoir que tu avances vraiment... Très très bien dans le Lego. C'est vrai? Vraiment une très belle perf. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Je te jure, c'est manche 19. T'as fait 19 étapes en à peu près 45 minutes. C'est pas mal. Surtout que là, je crois qu'il manque vraiment un Lego parce que je n'ai pas. Bientôt, Maximus. Bientôt. C'est quoi qui te manque? Un truc comme ça. Exactement comme ça. Exactement le même? Ouais. Parce que ceux-là, ils sont assez faciles à repérer, mais je ne les ai pas. Aïe. Je ne suis pas censé t'aider. Car bien sûr, nous allons aller à la question suivante. Environ 10% des espèces animales ont disparu en même temps que les dinosaures. 10% des espèces animales en même temps que les dinosaures. J'aurais tendance à dire bien plus, donc faux. Je pense que c'est faux. Il y a surtout les rongeurs qui ont survécu. Et c'est une bonne réponse. Oui. Félicitations. Et Rulta me demande, donc le précédent concurrent, exactement. Est-ce que c'est pire que moi ou pas? La réponse, Valentin, écoute-moi bien, c'est oui. Let's go. C'est oui. Mais ça. Voilà, je crois en Matou, je sais qu'elle a fait le bon choix dans la boîte, je sais qu'elle va réussir à s'en sortir. Mais je crois qu'il n'existe vraiment pas. Diplodocus, et attention à ne pas confondre avec Maximus, ici présent dans le chat, assommait ses proies avec sa longue et puissante queue. Il y a carrément moyen qu'il les assomme avec sa queue, mais également avec son cou, ce malade. Enfin, franchement, il pouvait faire la même chose. J'aurais tendance à dire oui. Allez. Peut-être oui. Allez, on va dire que c'était pas un animal très intelligent non plus. Et c'est une mauvaise réponse, quel dommage. Du coup, tu es comment ses victimes. Quel dommage. Matou, dernière question avant de passer à autre chose. Okay, voilà. Les dinosaures ont régné sur Terre pendant environ 165 millions d'années. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'aurais tendance à dire oui. Tu aurais tendance à dire oui? Oui, je dirais vrai pour celle-là. Et c'est une bonne réponse. Let's go, j'ai au moins retenu ça. Tu gagnes 30 secondes oui. supplémentaires. Et bien voilà, c'était c'est la fin du premier jeu. Bravo, tu as quand même gagné pas mal de temps sur ça. Mine de rien, tu as quand même gagné pas mal de temps. Donc c'est une belle perf. Belle perf, j'apprécie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, moi j'aimerais, maintenant que voilà, on a fait la première épreuve, on a pu voilà, un petit peu voir tes capacités à t'adapter, à réfléchir, à répondre aux questions, etc. C'était très dur. J'aimerais qu'on revienne sur un événement assez récent. Oui. Qui était le Fight for Sub d'IA. Parce que voilà. Tu réveilles des souvenirs lourds. On voit que t'aimes prendre des risques. On voit que tu aimes, sortir
de ta zone de confort. Ça, on le sait, on le voit. D'ailleurs, les frappadingues que tu fais de temps en temps, c'est vrai que... Oh putain. On sent que tu aimes, voilà, sortir de ta zone de confort, que tu aimes aller dans la boue, faire ce genre de choses, etc. Que t'aimes, voilà, faire des choses que tout le monde n'aime pas faire, parce que courir dans la boue, faire ce genre d'épreuve, etc., c'est quand même J'adore la boue. C'est quand même vachement compliqué. Voilà, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, un fight for sub ou une frappe à dingue? Franchement, une frappe à dingue parce que à la fin de l'épreuve, je ne sais en général plus marcher. Voilà, c'est. Ah oui, carrément. Oui, c'est tellement épuisant physiquement que j'ai souvent mes jambes qui lâchent et on est obligé de me porter. À ce point-là? Ouais, ouais, c'est vraiment très, 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 très physique. Mais c'est vrai que c'est super physique. Et c'est assez infernal. C'est la boue, c'est les gens autour. C'est monter sur des trucs qui font 2 mètres et malheureusement, je fais 1 m 64. Du coup, bah, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez pour monter un mur, donc tu dois t'aider avec des gens random et tout, mais c'est vraiment cool, mais très dur, très très dur. Mais d'ailleurs, t'en as fait combien des frappes à nom? Au moins deux, trois. Je vous dois appuyer sur des trucs là. Non, justement, j'enlève juste la photo du coup. On l'a vu, c'est bon. 2-3. Ouais, 2-3. Ouais. T'as réussi à faire des bons chronos. T'as réussi à. Franchement, à part battre mon père qui participait, c'était compliqué. C'était je saurais même pas te dire le chrono parce que effectivement, des fois, on en perdait nos chaussures dans la boue. C'est véridique. Et mais sinon, ouais, non, ça se passait bien. Ça se passait plutôt bien. Ouais, c'était vraiment rigolo. Merci beaucoup. Je te resserre un peu parce que je vois que t'en es déjà à l'étape 19. Ouais. Et genre, il y a 5 minutes, t'étais déjà à l'étape 19 aussi. Du coup, je me dis, waouh, ça va quand même vachement vite quoi sur des blocs. Hein. Ouais, ça va quand même vachement, vachement vite. J'ai ralenti parce qu'effectivement, il y a des pistes que je ne trouve pas. Et comment t'as connu genre la frappe à dingue? Tu t'es dit, vas-y, je vais aller courir dans la boue? Bah, en fait, de base, j'ai fait de l'athlétisme pendant 9 ans. Donc, Ah ouais, tu connaissais déjà le. Je connaissais un peu le concept, les gens qui couraient. Et ouais. À un moment, je me suis dit, on était beaucoup de copines dans le nord, donc on s'est dit bah vas-y, on va aller courir dans la boue. Ça nous paraissait être l'option la plus logique finalement, ce qui n'était peut-être pas, mais non, c'était vraiment très très cool. C'était très très cool et voilà, donc on s'est retrouvé là-bas et on a commencé à faire les épreuves et comme ça nous plaisait bien, on est resté. On a continué plutôt. Oh, j'ai trouvé ma pièce. Félicitations. Ah, ça, c'est la même pièce que tu cherchais depuis? Non, 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 en fait, je crois vraiment qu'il en manque 2 parce que je ne les retrouve pas dans mes petits. Et comme c'est des pièces assez longues, normalement, je devrais tomber dessus assez facilement, mais je ne les vois pas. En théorie. D'ailleurs, parce que je vois que là, Matou va-t-elle réussir le Lego? On a quand même 230 points pour oui, elle va gérer et 5000 pour non, c'est compliqué. Vous êtes dur avec moi. Hein. Après, si je dois être totalement franc et honnête, le Lego peut se faire en à peu près. Pour un débutant, à peu près 1h40. Voilà. D'accord ? Je sens que là, donc, bon, en ayant tout le temps supplémentaire que tu es censé pouvoir gagner, c'est possible. Tu vois, c'est-à-dire que c'est possible de le faire. C'est possible. Mais voilà, ça demande quand même d'avoir une concentration vraiment très, 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 très cadrée. Parce qu'à tout moment, dès que tu te déconcentres, dès que tu as un magazine qui est livré à domicile, etc., bah, ça peut vite être un petit peu compliqué et tu peux vite perdre justement ta concentration. Mais s'il y a des pièces que je ne trouve pas, est-ce que je peux quand même continuer ? Parce que là, j'avoue qu'il y en a 2, elles, je l'ai retrouvée, mais il m'en manque une petite pièce. Parce que pour l'instant, on est sur la patte du dinosaure, on n'est toujours pas. Oh, oui, on est sur justement la patte du dinosaure. On peut voir d'ailleurs que c'est assez compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on s'en sort pas. Alors, vraiment, je pense que ça ira plus vite. Tiens, oui, je te l'offre. Voilà, écoute, ça, c'est pas prévu dans le contrat normalement, mais voilà. Écoute, je vois que c'est un petit peu compliqué, donc je me suis dit, allez, c'est dur, là. On va peut-être t'aider. J'ai alors peut-être une bonne nouvelle, ouais. Peut-être une mauvaise nouvelle pour toi. Ça me fait mal quand tu dis peut-être une mauvaise nouvelle. Oui, alors c'est peut-être parce que ouais. Je viens de voir sur mon chronomètre qu'il nous restait 1h28 secondes. On va pouvoir ouvrir la boîte que tu as choisie tout à l'heure. C'est le moment mais de est-ce vérifier. Une bonne c'est chose le moment de savoir la boîte. Est-ce que tu as choisi la bonne boîte ou pas. On rappelle que tu as choisi la boîte rouge. Qu'y a-t-il à l'intérieur? On rappelle que le chat a choisi pour c'est moi. C'est le chat qui a choisi la boîte rouge. De manière un peu qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce que vous avez bien fait de prendre la boîte rouge? J'espère, chat. Hein. Ou est-ce que vous n'avez pas bien fait de prendre la boîte rouge? Oh, Matou, j'ai peur. Je vais te laisser ouvrir la boîte. Oui. Et regarder ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, ok. Alors, bon, on va espérer que... C'était pas un bon choix du tout!
Il n'y a pas quelque chose caché dans le papier? Donc, merci beaucoup, chat. Parce que vraiment, on aurait pu compliquer un peu plus le défi. Mais c'est vrai que des gants de ski sur 2 minutes, c'est quelque chose qui va pas du tout me ralentir. Genre vraiment, de base, c'est vrai que je galère pas du tout à attraper les pièces. Hein, vraiment, aucune difficulté. Mais merci beaucoup. Hein. C'est toujours un plaisir de participer à des trucs avec une communauté aimante. En fait, finalement, je pense que faire des Lego avec les gants de ski, c'est comme si t'avais juste perdu 2 minutes. Oh, putain. Mais par contre, en vrai, ça fait une belle séquence. Une séquence marrante. La séquence, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait une séquence peut-être un peu marrante. Pour vous. Mais voilà, pour vous, après, voilà, moi je me régale, hein, perso, je sais pas toi. Ah, bah, moi je me régale, voilà, tu vas faire des Lego pendant 2 minutes avec des gants de ski, c'est exceptionnel. Vraiment. Un moment, vraiment. Moi je suis heureux. Merci à vous d'avoir choisi ça. Et on verra à la fin du live qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre boîte. Peut-être que c'était mieux, peut-être que c'était pire, je te montrerai quand même ce qu'il y avait à l'intérieur. Il m'est avis que ça devait être sûrement beaucoup mieux. C'est ça, je pense que c'était peut-être un peu mieux. Tu me dis dès que tu veux mettre les gants, tu es prête? Allons-y. Putain, en plus c'est pas les petits gants, hein. Non, mais quand je te dis gants de ski, c'est gants de ski, okay, ok. Je vais lancer un chronomètre. On va lancer un chronomètre de 2 minutes. Mais est-ce que tu es prête? Du truc. 3, oui. 2, 1, c'est parti. Comment? Oh, les pièces sont vraiment cachées en plus. Oh, je suis en train de défaire toute mon organisation qui était si bien faite. Ok. Heureusement que j'allais sur l'opération chirurgicale. Genre, elle est vraiment en mode. Elle essaie vraiment de mettre les pièces petit à petit. Non. Ok. On me dit dans le chat, dommage que ce soit pas des moufles. Tu sais, avec le pouce, enfin, juste comme ça. Là, ça aurait été encore plus compliqué. Oui, bah c'est vrai que là, c'est simple. En vrai, là, c'est simple. Leçon de morale, toujours faire confiance à Frosties. C'est vrai. Ok. C'est vrai, pour l'instant, j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours dit ce qui allait se passer dans les boîtes. C'est vrai que j'ai été relativement sympa pour l'instant. Mais t'as dit que c'était mieux dans cette boîte. J'ai dit que ça pouvait être mieux, j'ai dit que ça pouvait être pire. Non, j'ai dit que c'était mieux dans la noire, justement. Oh, je t'ai dit ce qu'il y avait dans la noire. Mais le chat a voté. Je t'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien, je t'ai dit ce qu'il y avait dans la noire. Ah, je t'ai pas dit ce qu'il y avait, voilà. En tout cas, dans la boîte noire, il y avait autre chose que tu pourras découvrir à la fin du live. J'ai quand même réussi une étape avec mes gants. T'as quand même réussi une étape avec tes gants. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je pense que ça peut mériter quelques applaudissements, quelques petits encouragements. Merci. Voilà, félicitations. Vraiment, c'est exceptionnel. Et j'essaye de repérer si c'est ça sans la faire. On a Bloody qui nous dit qu'il avait voté noir et qui se dédouane des gants de ski. Je suis pas sûre de ça, Bloody. Hein. Ah, t'es pas sûre? T'es en train de dire que ton modérateur. C'est possible. Dit un mensonge. Genre, il ne te dit pas la vérité? Peut-être qu'il omet la vérité. Bloody, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis ou... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? T'inquiète, tu peux écrire dans le chat, elle ne le voit pas. Ne t'en fais pas, tu peux écrire ce que tu veux. J'ai trouvé. Parce qu'elle ne le verra pas, voilà. Elle ne le verra pas. Elle regardera le replay. Ah, je me doudoune de ses gants, il a dit. Ah. Oh non, Bloody. C'est dommage. Non, mais t'inquiète, je suis sûr que Bloody a fait le bon choix. Je suis sûr. Oh non, ça colle pas. Ok, c'est pas grave, ça va le faire. Ça va le faire. 7 secondes encore avec les gants. Je pense que tu auras limite plus avancé avec les gants que quand t'avais pas les gants, parce que du coup t'es ultra focus pour mettre ta pièce, tu vois, t'es pas focus sur tout ce qui va se passer. Ouf. Après, félicitations. Merci. Félicitations. Un grand moment de solitude finalement. Non mais, c'était pas si mal. Je te jure, c'était pas si mal, t'as quand même réussi à faire, une énorme étape. C'est pas trop mal. C'est pas rien, franchement, je suis d'accord. C'est vrai que normalement, je commence les lives par peut-être que la personne se présente, qu'elle dit ce qu'elle fait, etc. Là, on l'a pas du tout fait. Mmh. Et moi, les gens du coup de chez moi m'ont dit, Bubble, ils le connaissaient parce que on a déjà fait des lives ensemble, ils le connaissent, etc. Rulta, ils le connaissaient parce que pareil, il est sur le Discord, on se connaît. Toi, ils m'ont dit, d'où est-ce que Matou sort? Qui est cette personne? Qui est-elle? Est-ce que je me présente du coup? Du coup, est-ce que tu es à l'aise déjà en présentation? Est-ce que t'arrives à te présenter facilement? Sur là, c'est une vraie épreuve pour certains de juste dire « Salut, moi je m'appelle Frosties, j'ai 25 ans, je fais telle chose. Mmh. » Il y en a pour qui c'est compliqué. Donc, si c'est tant mieux pour toi. Peut-être expliquer pour les personnes de chez moi, et peut-être pour les autres, vous allez apprendre des choses. Qui est Matou? C'est quoi si quelqu'un arrive sur ton live aujourd'hui? Qui est Matou? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui réponds? Qui suis-je? Bonjour, moi c'est Matou. Attends, plutôt. Coucou, c'est Matou. Normalement, vous me reconnaissez avec ce fameux jingle si vous êtes sur le Discord.
J'ai 26 ans, je fais du multigaming et je n'aime pas particulièrement utiliser des moves pour faire des Lego. C'est bizarre, alors ça vraiment, tu vois. C'est bon, c'est pas devinable du premier coup, ouais. Mais. Bah, tu vois, bah, je suis limite un peu déçu, tu vois. Un peu choqué. Genre, ouais, je suis. Voilà, ok, je pensais que t'étais quelqu'un qui aimait le challenge et tout. Ouais, du coup, je suis un poil déçu. J'adore le challenge quand ça va dans mon sens, ouais, évidemment. Je suis un poil déçu. Tu vois, bah merde. Je suis choqué, outré. Ouais, je suis un peu choqué, c'est vrai, c'est vrai. Tu as bien raison. Et du coup, bah voilà, là, je suis sur la chaîne de Frosties, on s'est rencontrés au Play for Live. C'est vrai, 2020, Play for Live 2023, c'est vrai. Exactement, et c'était bien cool. Et bah, du coup, désormais, j'essaierai de l'éviter un maximum, vu les épreuves qu'il me met. Mais voilà. Tranquille, c'est pas un souci. Et encore, ça va. Ah oui, encore, ça va. Ouais, non, t'inquiète, j'ai oublié de préciser une petite règle, mais tranquille, le chat, Le chat, vous connaissez la règle de fin si jamais elle arrive pas à faire le Lego. Ah. N'hésitez pas à le balancer dans le chat, hein, pour les vrais qui sont là à chaque fois sur des blocs, n'hésitez pas à le balancer dans le chat. Parce qu'il y a une règle. Nous on lui dirait, ouais, il y a une règle, si t'arrives pas à faire l'ego, il se passe quelque chose, peut-être que ça peut te motiver ou pas. Bah, nice. Ceux qui sont là, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Après, rappelez-vous, moi maintenant j'ai l'adresse de votre streamer préféré et à tout moment j'envoie des lettres de menaces super menaçantes chez lui, quoi. Tu envoies des lettres comme tu as des magazines ? Exactement, exactement. Ah, très bien, intéressant. J'ai aucun intéressant, truc, intéressant. Vraiment. Mais c'est vrai, parce que du coup. Du coup, maintenant, t'as mon adresse, je suis un peu dans la... Ouais, bah, je suis un peu dans la merde, finalement. Bon, oh, t'inquiète. Non, c'est pas... petits cadeaux dans la boîte aux lettres, tu vas en recevoir. Ouais, nickel. Bah, du coup, si tu me fais des petits magazines comme ça, moi, ça me plaît. Oui. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est marrant, ouais. Mais le chat, tu vois, c'est là où on voit que les gens, tu vois, ils sont à fond, ils sont sympas, etc. Parce que je leur ai dit, n'hésitez pas à dire, du coup... À ta commu, les cucurbitacées. Je recommande cucurbitacées. J'aime ce mot. Cucurbitacées. J'adore ce mot parce qu'il est compliqué. Les gars, vraiment. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous donner d'infos. Ma commu, tu vois, ils sont soudés, ils sont là. Ils ont donné aucune info. Ils ont dit, on ne dira rien. Oh. On ne dira rien. Donc, surprise, si elle n'arrive pas à faire le Lego, en tout cas, sachez qu'il se passera forcément quelque chose. Ils sont un peu fourbes, du coup, dans ta commu. Est-ce que c'est comme ça que tu les définirais? Et fourbe, bah ouais. c'est des gros cafards, ouais. Ouais, vu que mon chat il s'appelle Oggy, tu vois, j'ai sûrement des cafards, et en vrai je trouve que ça les correspond bien. Okay. T'as un peu de tout, t'as les gens qui vont troll, t'as les gens qui vont être adorables, tu vas avoir des modérateurs un peu... Ouh là là, les mots ont failli être lâchés, les non, mots ont failli être lâchés. Il y a la ligne derrière, du coup je parle doucement, tu vois, t'as des modérateurs qui sont... Ouais. Un peu, voilà. Un peu, de toute façon, je pense que spécial, quand t'es arrivé, tu l'as vu. Ouais. Elle tire la gueule. Elle dit pas. Elle me regarde méchamment. Je n'ose plus affronter son regard. Ça va, Lani, tranquille. Ouais, Lani. J'ose plus la. Merci pour ton taf. En tout cas, c'est cool. Non, mais ouais, non, en vrai, c'est vrai qu'on peut dire, ouais, des fois, c'est peut-être des cafards, bande de merde. Ah, nice. Nickel. Toujours dans la gentillesse. Non, mais c'est vrai, en vrai, il y a des trollers. Franchement, il y a un peu de tout. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'hier, sur ton live PUBG, ils étaient quand même vachement soudés. C'était en mode, vas-y, Matou, tu peux le faire. Essayer de donner des conseils, c'était quand même derrière toi. Ils adorent me détester, mais quand ils ont bien vu que j'étais stressée, ils savent être gentils quand même. Ils arrivent à bien doser quand même les moments où ils te trollent. Et... Oui. Ils savent repérer le moment, ils savent lire le mood. Purée, ça m'a fait peur. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ça, c'est la 106 de Manon, c'est rien, elle est en train de démarrer sur le parking. 106 là, de Manon. En fait, c'est un rire, mais du coup, on dirait vraiment voilà, le moteur d'une Peugeot 106 qui démarre. Clairement. Voilà, dédicace à tous ceux qui ont des Peugeot 106, Peugeot bien évidemment. Oh, j'ai trouvé. On est des bons esclaves, nous dit Ekiei. Oui, complètement Ekiei, complètement. Mais c'est pour ça que je vous aime, tellement. c'est peut-être vrai. Oh, je suis à l'étape 24. Étape 24, non, en vrai, écoute, je te jure, premier degré. Je suis en retard. T'es méga en retard. C'est vrai ? T'es méga en retard. C'est-à-dire que là, t'es à 1/5 du Lego. Oh ! T'as épuisé la moitié de ton temps. C'est vrai ? Il reste 51 minutes et encore, t'as vu toutes les secondes que t'as gagnées grâce à... Donc, heureusement que tu as choisi la course épicée, donc c'est très bien. C'est vrai, je suis super en retard. Mais tu vas peut-être pouvoir gagner du temps supplémentaire puisqu'on va bientôt passer à une autre manche. Très très rapidement, juste, il y a un truc qui m'a choqué de fou, enfin pas choqué de fou, ouais. Mais t'as été récemment au cinéma voir le film Dune. Alors, on va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas été le voir, moi y compris. Les analgaïs. Voilà, exactement. Mais t'as l'air d'avoir une passion pour Dune, c'est une dinguerie. J'adore Dune, j'ai tous les livres, j'ai pas fini le dernier, mais j'adore. Et le 2, t'as vraiment surkiffé, tu as... Franchement oui, c'était... Très très bien, sans spoiler, franchement, il vaut le détour. Il vaut le détour ? Ouais. Ok. Et on m'a dit que t'avais une autre passion, c'était les momies. T'adorais l'Égypte. Oh non ! Qui a donné ces photos ?
On m'a dit que tu adorais l'Égypte et voilà, j'aimerais savoir, voilà, comment est-ce que c'est venu cette passion pour l'Égypte, pour les momies, pour, alors, il faut savoir que c'était pour Dune, etc. Ah putain. Heureusement qu'on voit pas trop mon visage parce que il est terrible. Et je suis sûre, si c'est pas mes darons qui sont là derrière ces photos, ou alors des potes, ou alors Sabrina qui était en train de regarder, cette passion des momies. Sabrina qui était en train de regarder. Moi j'ai juste reçu ça dans ma boîte mail en gros. Ah ouais. Genre j'ai fait remplir un formulaire à des gens et des gens m'ont envoyé ça. J'étais en mode ah, trop bien, trop sympa les gars, merci. Ça date. Merci. Mais c'est pour ça là on voit clairement que ouais tu l'as. Passion momie quoi. Ouais, passion momie. Comment c'était venu cette passion pour l'Égypte un peu tu vois là. Et ben en fait c'est pas forcément une passion pour l'Égypte, mais mon anniversaire est toujours à Halloween, donc du coup ben en fait il faut rester dans le thème et le thème, bah, on s'était dit pendant des parties de Just Dance, est-ce que ça paraît logique de se déguiser? Oui, effectivement. Faire du Just Dance en momie, c'est bien. Voilà, en momie de PQ plus particulièrement. Et c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a du budget pour le costume. C'est vrai que c'est pas mal. C'est clair. On voit que voilà, ça. Tout est passé du PQ, dedans, c'est vraiment c'est pas mal quand même. Ah et bah, la personne à ta gauche qui est-ce? Enfin du coup à ta droite. Je dirais que c'est Sabrina qui est planquée en dessous. Ok. Ça me fait peur. Sabrina, je sais pas ce que t'as donné comme Sabrina, du coup, mais... c'est une pote à toi, IRL. Oui, okay. C'est une pote de très longue date. Et ça me fait vraiment peur parce qu'elle, elle a vraiment. C'est elle qui a le dossier, photo-dossier. Et c'est terrible. Ouais, après, je pense que j'aurais quand même pas été demandé à tes meilleurs amis. On rappelle que l'épisode d'avant, j'ai juste. Bah, ramener la mère d'un pote, du coup, je pense qu'en vrai, à côté, aller voir les meilleurs amis, je pense que je l'aurais pas fait. Oui. Je suis quand même quelqu'un qui, voilà, qui me respecte et qui est quand même assez, voilà, assez soft. On reste assez soft sur ça. Je suis pas certaine de là. Non, mais t'inquiète, vraiment, moi, je suis juste arrivé dans ma boîte mail, comme ouais. Ça. Il y avait une photo de toi déguisée en momie avec du PQ, j'ai fait tiens. Et c'est tombé mais comme qui, ça. Qui a donné ça? En plus, la personne, elle avait mon mail, ouais. Elle avait la date du live, en l'heure plus. Du live. Le lien du live, oh le lien du Google Doc, c'est quand même fou. C'est aller. Quand même fou les coïncidences. Ouais, tellement voilà. De coïncidences là. Écoute, 48 minutes, je pense que ce qu'on va faire, oui. C'est qu'il va falloir passer à la prochaine étape. Oh. Messieurs, dames, nous allons démarrer le prochain jeu qui est le Juste Bloc. En plus, j'ai tellement de speedé là parce que tu m'as dit que j'étais à la bourre. Vas-y. Messieurs, dames, le Juste Bloc. Le Juste Bloc. Pour rappel, qu'est-ce que c'est? Le Juste Bloc, ouais. Tu vas avoir des Lego qui vont être présentés. Oui. Et ces Lego, tu vas devoir deviner le nombre de pièces qu'ils ont. Okay. Et pour ça, je vais t'aider, je vais te dire c'est plus, c'est moins, ouais. C'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins. Ok. Si tu réponds en moins de 25 secondes, tu gagnes une minute. Une minute, putain. Par bonne réponse. Ça peut bien. Ce qui est quand même pas mal, à savoir qu'il y a 8 manches. Ouais. Et que la manche 2, c'est une manche un petit peu plus différente. Mais sur la première manche, tu vas pouvoir gagner en tout 5 minutes si tu arrives à mettre le bon nombre de pièces sur les Lego qui vont être présentés. Ok. Est-ce que tu es prête? On va du coup lancer le premier Lego. J'ai voulu rester dans le thème de Dune puisqu'il s'agit de l'hélicoptère dans Dune. Voilà, donc dès que tu es prête, je vais lancer un chronomètre. Oui. Et tu vas devoir avoir 25 secondes pour faire, pour deviner cette pièce. Matou, est-ce que tu es prête? Ouais. Prête. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête? Je suis prête. Moi aussi. Lani, quand je te ferai ça, tu passeras à la slide suivante. Bon alors, de toute façon, non, tu passeras à la slide suivante juste après parce que du coup, j'ai pas le clavier. 3, 2, 1. C'est parti. Ok, 100. C'est plus. 200. C'est plus. 300. C'est plus. 600. C'est plus. 1000. C'est plus. Ok, 1500. C'est moins. 1400. C'est moins. 1200. C'est plus. 1300. C'est plus. 1350. C'est plus. 1380. C'est moins. 1370. C'est moins. 1360. C'est plus. 1365. C'est plus. 1366. C'est plus. 1367. Et c'est dommage. Ah, c'était combien? C'était 1369 pièces. Non. Tu étais si proche si du but. Si c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ça me fume parce que ça se voit que tu n'as vraiment genre jamais. Aucune connaissance sur les Lego parce que le premier chiffre que tu as sorti, mais oui. C'est 100 pièces. Ah, mais oui. Alors déjà, celui-ci fait 577. Ok, donc déjà, ça me donne une donc, bonne idée de que... Voilà, 577 pièces. Donc okay. C'est déjà quand même pas mal. Nous allons pouvoir passer okay, oui. Au Lego. Numéro 2. Le Lego numéro 2, okay. Il s'agit de la banque des sorciers pour Harry Potter. Ok. Voilà, est-ce que tu es fan d'Harry Potter? Tu connais Harry Potter? Oui, je connais Harry Potter. Très bien. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir
deviner les Lego sur celui-ci. Ok. Est-ce que tu es prête? Je suis. 3, 2, 1, c'est parti. 2000. C'est plus. 3000. C'est plus. 4000. C'est plus. 7000. C'est moins. 6000. C'est moins. 5000. C'est moins. 4500. C'est plus. 4700. C'est plus. 4900. C'est moins. 4800. C'est moins. 4750. C'est plus. 4755. C'est plus. 4759. C'est plus. 4760. C'est plus. 4780. C'est plus. 4790. C'est plus. 4799. Ah, ça va être tellement dur. C'est dommage. T'es resté vraiment focalisé. T'es resté focalisé dans les 4700 et quelques. La bonne réponse, c'était 4801 pièces. Ah oui, ok, quel pas tout près. Dommage, quel dommage. T'étais pas loin, Maximus, 4586, t'étais pas très loin, t'étais pas très loin. Super chaud. En tout cas, le sondage est passé à 10 000 pièces pour non, c'est compliqué, sur le fait que tu vas arriver à faire le Lego. Il en reste des pièces, hein, je vous le dis. Il en reste. J'essaie de sprinter. Hein. Lego suivant. Attention, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, peut-être que tu l'as vu en entrant chez moi, la Nintendo 64 en Lego. Incroyable. Voilà, la Nintendo 64, donc composée de la télé, de la console et de la petite manette, ainsi que sa disquette. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, oui. 3, 2, 1, c'est parti. 5000. C'est moins. 4000. C'est moins. 2000. C'est plus. 3000. C'est moins. 2500. C'est plus. 2900. C'est moins. 2800. C'est moins. 2700. C'est moins. 2600. C'est plus. 2650. C'est moins. 2640. C'est plus. 2645. C'est plus. 2648. C'est moins. 2646. C'est oui. Oui. Les deux, j'en ai au moins. Au moins un. Réponse. Tu gagnes une minute après avoir perdu 10 à essayer de deviner le Lego. Félicitations à toi. J'en perds 10? Non, je rigole. Non, mais ok. Ce qui me fume, et tous les invités pour l'instant ont fait quasiment la même chose, c'est quand ils essayent de deviner le Lego, ouais. Ils arrêtent complètement de faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est trop dur de réfléchir et de composer des chiffres. Ça me fait peur. Pourquoi ça a sonné? Ça me fait peur. Bonsoir. Il besoin de Courge Express pour Mathilde Lacourge. Oui. Mon prénom, ça va être Mathilde Lacourge. Allez-y, rentrez. Bonsoir. Oui. Aussi. Merci. J'ai besoin de votre signature, s'il vous plaît. Mathilde Lacourge. Exactement. Merci. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Je peux peut-être juste garder la facture au cas où. Okay. Ouais, qu'il ne s'arrive pas ou je sais pas. Ok, bah, je vous remercie en tout cas. Okay. Bonne soirée. Hein. Au revoir. Ça me fait peur. Je regarde très peu la caméra. Je suis tellement. Bah c'est fou ça, tu t'es fait commander des trucs chez moi normal. Bah ouais, j'avais ton adresse. Ouais bah du coup ouais, c'est ce que je vois, ok, bah nickel. Bah vas-y on fait comme ça. Est-ce que t'as des ciseaux par hasard? Des ciseaux, ouais, je dois avoir des ciseaux, un petit couteau peut-être, ouais. Attends, je cherche mes pièges. Ah ouais, Courge Express, d'accord. Courge Express c'est quand même, ok, ça commence sympa, merci. Voilà, ok, bah nickel. C'est très étrange. Superbe signature au passage. Hein. Merci. Superbe signature. Pas du tout dans le stress et l'angoisse. Non. Hop, je vais essayer de me saquer parce que bon, c'est pas qu'on est en avance ou en retard, mais on est un petit peu en retard quand même. Elle signe sans regarder le papier, reconnaissance de dette, ouais, de 10 000 euros. Grave. Et c'est exactement ça. Regardez-moi, cette magnifique courge. On va l'appeler, je sais pas comment on va l'appeler, Maurice. Votre bonus plus 8 minutes, let's go! Il faut des minutes. Je regarde quand même s'il n'y a rien d'autre. Bah super, ça va devenir mon... Est-ce que tu vas la mettre peut-être dans le décor, l'appeler? Tu veux lui donner un nom à cette course? Franchement, ce sera la course de débloque. Je sais pas comment on va l'appeler. Ce sera le button de débloque. Faudra vraiment qu'on trouve un nom. Ouais, faudra peut-être trouver un nom, c'est vrai. Et comme tu l'as précisé du coup, tu vas gagner 8 minutes, parce que c'est le bonus que tu as choisi dans ton catalogue. Par contre, je trouve qu'en vrai, la livraison, elle est méga rapide. Ouais. Parce que t'as eu le magazine tout à l'heure, une demi-heure après, c'était dans la boîte aux lettres, emballé et tout. Franchement, c'est dingue. Je savais pas que les livreurs, ils travaillaient jusqu'à cette heure. Mais je savais pas non plus, il est quoi, 22h quasiment. Franchement, les livreurs, ils travaillent super tard. Ils sont chauds, hein. C'est une dinguerie, franchement. Courge Express, en tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ils sont vachement efficaces. D'ailleurs, c'est très dommage. Et je savais que t'allais signer sans regarder, tu aurais pu gagner du temps supplémentaire sur la facture. C'est vrai? Je te laisse ouvrir la facture si tu veux regarder ce que tu aurais pu gagner. Cours spécial, prix très cher, temps perdu, cher, beaucoup. M'a tout la possibilité de gagner 2 minutes si elle dit ce qui est écrit de prononcer. Non. J'aurais dû prononcer Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Oh,
J'étais tellement concentrée, je l'ai pas eu. C'est pour ça que Bloody a dit reconnaissance de dette. Non, c'est vrai. C'est vrai que bon, elle aurait pu peut-être gagner 2 minutes supplémentaires. Et je me suis dit. Surtout que ça m'aurait aidé. Hein. J'ai été du coup appelé un peu pour faire les pré-livraisons, etc. Tu vois, tout à l'heure, pour mettre en stock, pour vérifier qu'ils avaient en stock du coup les différentes courses, tu vois. Oui. Ils avaient en stock et je leur ai dit, ouais, n'hésitez pas à mettre un petit mot en dessous, je suis sûr qu'elle le lira pas. Elle va direct signer sans savoir ce que c'est. Oui. C'est ce qu'elle a fait, elle a directement signé sans savoir ce que c'était. Maintenant, tu me dois de l'argent. J'aurais voilà, pu c'est un petit peu ça. Perdre mon âme, ça aurait été pareil, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, félicitations et bah, on laissera 5 étoiles à Courge Express. Oh, grave. Merci en tout cas de vous être déplacé aussi tard. Ça fait plaisir. On va pouvoir revenir tout de suite au jeu du Juste Bloc. Ouais. Puisque tu n'avais pas réussi à deviner la Nintendo. C'est vrai. Attends, elle avait deviné ou si, pas j'avais deviné, si, elle avait deviné. Pardon, elle l'a deviné. J'ai deviné. Elle l'a deviné, elle l'a deviné. Nous allons pouvoir passer au Lego suivant, qui est cette tête de Spider-Man. Il s'agit d'un tableau en relief de Spider-Man. Oh là là, l'enfer. Est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. 7000. C'est moins. 6000. C'est moins. 5000. C'est moins. 2000. C'est plus. 4000. C'est moins. 3000. C'est moins. 2500. C'est moins. 2300. C'est moins. 2200. C'est moins. 2100. C'est moins. 2050. C'est plus. 2080. C'est plus. 2090. C'est plus. 2099. Oui, félicitations. Ouh en 18 secondes. Oh c'est oh pas yes, mal, c'est pas mal. Tu gagnes pas de temps supplémentaire si jamais tu réponds en moins de 20 secondes. Hein. Je te préviens, non, parce que je vois déjà, t'es en mode yes, let's go, tu vois. Alors que bon. Tu me déçois tellement. Voilà, hein, tu me ouais, tellement. Je sais, je suis désolé. T'es pas vraiment désolé, j'ai l'impression. Je suis pas du tout désolé. Regardez-moi bien, on se regarde là. Est-ce que je suis désolé alors qu'à perdre du temps? Pas du tout. Moi, je suis heureux. Plus à perdre de temps, plus à galère, plus je suis heureux. Parce qu'elle sait pas ce qui se passe à la fin du live. Elle sait pas ce qui se passe si jamais elle n'arrive pas à faire le Lego. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est en train d'arriver. Pourquoi je me penche comme ça alors qu'on me voit très bien si je suis comme ça. Mais j'aime bien me pencher, tu vois, ça fait plus autoritaire. Nous allons passer au Lego suivant. Okay. Qui est. Un petit set. Alors, pour l'instant, j'ai encore celui Spider-Man. Hop. Voilà, qui est un petit set d'insectes qui est sorti finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. D'ailleurs, set très cool que j'aurais bien aimé avoir si jamais j'avais plus de place chez moi. Toi. Mais il y a déjà beaucoup trop de Lego. Okay. Est-ce que tu es prête pour ce dernier Lego de la manche numéro 1? Eh ben, on va dire oui. On va dire oui. Ouais, allez. Très bien. 3, 2, 1, c'est parti. 4000. C'est moins. 3000. C'est moins. 2000. C'est moins. 1000. C'est plus. 1500. C'est moins. 1300. C'est moins. 1200. C'est moins. 1100. C'est plus. 1150. C'est moins. 1140. C'est moins. 1120. C'est moins. 1110. C'est plus. 1115. C'est moins. 1114. C'est moins. 1113. C'est moins. 1111. Oui! 1111! Félicitations, 17 secondes. Celui-là était pas facile à dire. 1111. Je me suis dit que j'allais peut-être réussir à te piéger sur ça. Non. Tu n'es pas tombé dans le piège. Tu gagnes 1 minute de temps supplémentaire. Félicitations. C'est bon ça. Félicitations. Il y a un truc qui est assez drôle, ouais. Parce que tout à l'heure, et je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. Je t'ai dit, ok, là tu es en train de réaliser un T-Rex qui a un nombre particulier de pièces. Oui. Est-ce que tu peux me donner le nombre exact de pièces qu'il y a dans le Lego que tu es en train de construire? Tu as dit plus de 5000 pièces, je crois. Je crois que tu as dit plus de 5000. Non, pardon, 500 pièces, tu as dit un truc comme ça. Ah. Est-ce que tu arriveras à me sortir le nom exact? Si tu me sors le nom, si tu me sors le chiffre exact, je t'offre 2 minutes. J'ai une mémoire de merde. 590. C'était combien? C'était pas loin, c'était 577. Ah. Je me suis dit forcément, elle ne va pas écouter. Forcément, elle va être déconcentrée. Évidemment. Et c'était le but. Par la Mathilde quand même. C'était le but. Aïe, quel dommage. Quel dommage. Je vais m'en sortir, vous savez quoi? Tu vas t'en sortir. Car il te reste, mine de rien, 39 minutes. 39 minutes. Et on en a à l'étape 39. Ça, c'est beau. Oh, félicitations. Je suis tellement à la bourre. Non, pas du tout. Nous allons pouvoir passer à la manche 2 du Juste Bloc. Cette fois-ci, c'est une manche un petit peu plus particulière puisque tu n'as pas de temps. Je n'ai pas de temps, très bien. Tu n'as pas de temps. Tu vas avoir 5 propositions. Ok. Chacun des Lego que je vais te présenter font obligatoirement moins de 200 pièces. Moins de 200 pièces, ok. Tu ne vas pas avoir de temps, mais tu auras droit de proposer uniquement 5 propositions. Et tu gagnes 2 minutes par bonne réponse. D'accord. Voilà, donc je te dirai toujours c'est plus, c'est moins, mais tu n'as pas de temps, tu ne dois pas le finir en moins de 25 secondes. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es prête pour le premier Lego? Oui. Voici ce petit set de Cars, ouais. Ici présent.
Okay. Combien de pièces est-ce que ça fait, ça? Voilà. Le seul indice que je peux te donner, c'est que ça fait moins de 200 pièces. Moins de 200. Putain, j'aurais tellement mis un chiffre au-dessus, c'est terrible. Moins de 200 pièces, 185. C'est moins. Donc si c'est pas 185, on va prendre une fourchette basse. 145. C'est moins. C'est moins. Il te reste 3 propositions. Ouais, 3 propositions, c'est chaud. C'est chaud en plus. J'essaie de me concentrer sur ce truc en même temps. Elle a pas encore fait la pâte. En vrai j'avoue, c'est vraiment compliqué. 185, 145. 125. 125, c'est moins. C'est moins? Oui. Mais il y a quoi dans ce Lego? Il n'y a pas grand chose en soi, c'est juste une petite voiture et une espèce de petite station d'essence. Tu me dis que c'était moins de 100. Je mettrais, franchement. 100. Qu'est-ce que je peux dire? Non, même 100? C'est moins. N'hésitez pas à jouer en même temps dans le chat, voir si vous êtes bon ou pas. Vous êtes plus en moins de 5 propositions. Bon, il m'en reste plus qu'une, du coup, de proposition, je crois. Il te reste une proposition. Tu sais que c'est moins de 100. C'est moins de 100. C'est entre 0 et 100, il te reste une proposition. C'est forcément pas 0, tu te doutes. 77. Et. Non. C'est une mauvaise réponse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce Lego-là? Parce que le nombre de pièces était 59. Oh non! Et non, c'est dommage! Le départ! C'est dommage! Tu ne gagnes pas de temps sur ça! Aïe aïe aïe! Tu vas avoir un deuxième Lego, bien sûr. Le deuxième Lego que je te présente, c'est un petit hélicoptère de pompier, toujours à moins de 200 pièces. À moins de 200 pièces? Voilà, pareil, 5 propositions. Très bien. Je dirais 50. C'est plus. C'est plus. Du coup, si je dis 100. C'est moins. Ok, déjà, j'ai une petite. J'ai une petite fourchette qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, j'ai dit 70. C'est plus. C'est plus, donc j'hésite de l'entendre. Tu sais que c'est entre 70 et 100. Ouais, exactement. Alors, je regarde juste ça parce que... T'inquiète, on te dérange pas, t'inquiète. Continue le Lego, parce que c'est vrai que c'est peut-être le but de l'émission. Oui. De terminer le Lego avant les 1h30, c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Je vois qu'il y en a qui sont proches dans le chat. Il y en a qui sont très très proches dans le chat. Alors attends. Soraya a la bonne réponse. Soraya a la bonne réponse. Maximus, dommage. J'en doutais pas, Soraya. Emi, dommage. Mizuki, un petit peu trop loin. Elle a dit combien, Bina, Soraya? Un petit peu trop loin. Ah, je ne peux pas te dire malheureusement ce qui est écrit dans le chat. J'ai dit combien comme proposition? Tu as dit 70, donc tu sais que c'est entre 70 et 100. 70 et 100, réfléchis. Qu'est-ce que ça fait? Quelle belle courge au milieu de la table. Elle est magnifique. Alors, je pense que j'ai jamais eu une courge aussi belle. Et en plus, elle a été livrée par un livreur particulièrement incroyable. Séduisant. C'est vrai, je n'ai pas osé le dire. Ouais, c'est vrai, on a tous les deux pensé pareil, je pense. Oh, je suis morte. Qu'est-ce que je peux dire? Entre 70 et 100. Il te reste deux bonnes réponses. Il te reste deux choix de réponses. 85. Et c'est une bonne réponse. Félicitations. Oh, let's go. Félicitations, c'était 85. Félicitations à ceux qui l'avaient dans le chat. Il y en avait qui étaient pas loin. On a eu du 86. Let's go chat. Oui, c'est vrai que c'est un butternut, c'est vrai. C'est vrai. On a dit la courge, mais c'est un butternut. Bonsoir Madame Elsa, bonsoir Monsieur Alex. Bonsoir à ceux qui viennent en tout cas de nous rejoindre. Bienvenue. Oui. Bienvenue dans Débloque. Bonjour. Voilà. Bonjour. Nous avons le dernier Lego. Ouais. Qui va être en dédicace à Lani qui est fan d'Animal Crossing. Oh. La dernière collection Animal Crossing qui est sortie. C'est vraiment le. Est-ce qu'elle parle en yaourt la personne? Exactement, je te dis ça si jamais je te fais « c'est plus, c'est moi ». Je te ferai exactement comme dans Animal Crossing. Exactement, j'adore. Voilà. Ok, donc c'est Lego 100. Attends, faut que je rouvre ma page. Donc, c'est plus. C'est plus. C'est plus que 100. Okay. Donc tu sais que c'est entre 100 et 200. 150. C'est plus. C'est plus, donc on va essayer d'augmenter un peu plus drastiquement. Attends, je regarde ça, je sais pas. Ça, c'est des pièces marron noir. Elle est concentrée, ça se voit. Elle est concentrée. Ah, là, en plus, c'est des trucs en dessous, là, on s'en fout. Ça se voit pas, ça, c'est fou. Attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, ça rentre pas, ça rentre pas où je veux. C'est vraiment pas des trucs visuels, là. Non, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué, c'est un peu technique, le dessous. Ah bah oui, surtout que le ça dessous, rentre pas. Le dessous. Ça ne rentre pas quand je veux. Ah, s'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse ou pas dans le chat. J'ai dit que c'était... Pour l'instant, je vois pas de bonne réponse. Il y en a qui sont proches, il y en a qui sont très proches. Alors attends, j'ai dit combien déjà? J'ai dit au-dessus de... Il y en a qui sont très très proches. J'ai dit 180. J'avais dit quoi déjà?
comme chiffre. T'avais dit, elle avait dit combien? T'avais dit 150. Ah, Lani, elle est très forte, hein, Lani. Au taquet. 150, entre 150 et 200. 150 et 200, 180. C'est moins. Ok, donc il y a moyen. J'ai vu des personnes qui l'ont dans le chat. Là, tu vois, de toute façon, t'as plein de chiffres qui sont proposés dans le chat. Je vais pas dire qui a raison ou qui a tort, mais en tout cas, il y a la bonne réponse dans le chat. Il y a la bonne réponse dans le chat. Okay. C'est la seule chose que je peux te dire. Quelqu'un a la bonne réponse. Quelqu'un a la bonne réponse. J'ai le droit de savoir si c'est pair ou impair. Alors là, peut-être pour la dernière, peut-être pour la dernière. Il te reste encore deux possibilités. On filoute ici. Voilà, finis-en une. Et, et la dernière, on verra si jamais tu y arrives. Je dirais... 175. C'est moins. C'est moins. C'est un chiffre pair. C'est un chiffre pair. Donc tu sais que c'est entre 174 et 150. Ouais, exactement. 164. C'est une bonne réponse. Oh, c'est le clutch du siècle. Oh, mon c'est Dieu, une bonne réponse. Vraiment le c'est pif. Une bonne réponse. C'était 164. Heureusement. Félicitations. Pour le coup, ces deux minutes sont très, 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 très bien elles méritées. Vraiment me faire plaisir. Félicitations, parce que là, franchement, le 164, vraiment pile poil, il était beau. Félicitations, Leïla qui l'avait, qui a été la première bien, à l'avoir. Félicitations, il y en avait qui étaient vraiment pas loin. Reiko qui était à 165. Félicitations, 164. Bravo. Bravo à vous. Vous avez géré. Bien joué, chat. Hein. Je sais ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Je vous vois venir, je sais, et moi aussi j'attends d'avoir un petit peu sa réaction. Parce que je pense qu'il est temps de, il est temps de payer sa dette. Nous allons te rajouter 8 minutes, je te rajoute 8 minutes oui. de temps. Et tu vas devoir, tu passes à 43 minutes. Trop bien. Tu vas devoir goûter la sauce piquante de l'émission. Non Maximus, ce n'est pas l'envie de pisser, c'est bien sûr la sauce piquante. Je vais aller chercher la sauce piquante spéciale de l'émission. Quelle et chance. Je vais te la présenter. Alors attends, mais c'est bizarre, c'est pas la bonne pièce que j'ai sortie. Ok, c'est autre chose. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que tu veux la sauce piquante dans une cuillère? Ouais, dans une cuillère. Dans une cuillère, c'est très très bien. Prépare peut-être, il y a du lait au frigo. Je veux bien. Je mets les chips à côté, si tu veux vraiment, je te mets des chips à côté. Ah, oh, je suis très mauvaise pour ces trucs-là. Ah, j'ai trouvé la pièce. Attends, je te les mets là. Je te mets des chips à côté, ok. Oh. Je prépare le lait, mais en vrai, normalement, je te jure que ça devrait aller. Normalement, je te jure que ça devrait. Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui va pas goûter. Je supporte pas le piquant. Je supporte pas le piquant. Bah, ça tombe bien parce que moi non plus. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter la brutale qui, dans la gamme des sauces piquantes que j'ai choisies, donc elle se présente. Comme ceci, on va pouvoir de toute façon la sentir directement à l'odeur. Mmh. Elle a une note quand même très, 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 je dirais poivrée, avec des agrumes, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai senti. Est-ce que je vais vraiment le sentir finalement? On est sur une échelle de 6 sur 5, en tout cas sur leur gamme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une sauce piquante encore plus piquante que leurs autres gammes. Et il me semble que sur l'échelle de Scoville, on est à 75 000. Et bah, c'est super, vraiment. Voilà, 75 000, ce qui n'est pas non plus... Un truc de 500, en fait, c'est pour être totalement honnête, j'ai voulu prendre une sauce piquante qui réveille quand même un petit peu le palais, tu vois. Quelle chance. Mais qui soit pas au point de la chips, en mode à baver partout. Je serais mort. Tu vois, je veux une sauce piquante qui soit quand même, voilà, que tu puisses réussir à tanker. Voilà, donc je vais ouvrir la sauce piquante, je vais te laisser sentir, et tu vas me dire un petit peu ta première impression. Que je vais crever, ouais. Ça, en fait, le problème, c'est que c'est tricky parce que ça a l'air d'aller, mais en fait, je sens très bien que c'est un peu trop frais pour que mais ça aille. Mais tu sens qu'elle a une odeur, tu sens que c'est pas juste du piquant, qu'il y a un vrai, tu vois. Il y a vraiment quelque chose, j'aurais dit les poivrons, c'est rigolo, mais c'est pas le poivre qui serait venu en premier, mais je vois. Après, est-ce que tu tangues bien ou pas du tout? Absolument pas. Parce que si tu veux, je peux te la mettre, il reste des petites pizzas. Je peux te mettre sur une mini part si tu préfères. Autant arracher le pan. Autant arracher, limite, on prépare une petite pizza si jamais ça va pas. Ouais, le pain. Je vais mettre de la sauce piquante, j'espère qu'on voit bien sur le... Non, on voit pas du tout sur le chat, je vais mettre comme ça. Voilà, attends, quoique, si je me mets comme ça... Fais-toi plaisir, comme ça je remplis bien mes voilà, petits si trucs, je mets hein. comme ça. Oh, je sens que je vais souffrir. Ah, c'est un énorme fait. Oh là là, ça ne sort pas, ça quel ne sort dommage pas. Et quand ça sort pas, c'est normalement c'est que la sauce piquante est consistante. Oh, quelle chance. Quelle chance tu as. Je ne sais pas ce que ça c'est. C'est un follow, merci beaucoup pour les follows. Merci tout le monde.
Merci Chris. C'est très adorable. C'est très adorable, c'est très appréciable, merci beaucoup. C'est clair, hop. Écoute, je vais pas en mettre trop non plus, je pense que là, oui. On est déjà pas trop mal, à savoir que tu la prends vraiment à jeun. Vous savez quoi? Je vais laisser voter le chat. Est-ce que j'en mets plus ou est-ce que j'en mets moins? Putain, je la sens vraiment... Chat, votez bien. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que j'en mets moins? C'est à vous de décider, le chat. Pensez à votre matou. C'est à vous de décider, est-ce qu'on l'allume un petit peu plus ou est-ce que, voilà, on est sympa? Ils sont pas sympas, hein. Est-ce que Frosties l'accompagne? Eh non, malheureusement. Malheureusement, elle pouvait le choisir. Il se dédouane. Il y avait une option, justement, pour pouvoir, justement, que je prenne de la sauce piquante à sa place. Elle a préféré choisir le temps plutôt que de perdre du temps et m'infliger la sauce piquante. Oui, c'est totalement vrai. Toujours plus. Toujours plus. Plus, plus, j'hésite, la pauvre. Oh, laisse comme ça, mais en échange des squats. Non, mais oh. C'est squats, plus, putain. J'hésite, plus, la pauvre. Ah. Il y a quand même des gens qui ont pitié, ça me fait plaisir. Plus, moins la pauvre. Ah, moi je banne tous les moins. Tous ceux qui disent moins, c'est ban BF. Hein. Non. J'ai fait un sondage. Ah, il y a un sondage en cours, les gars. N'hésitez pas à voter plus, moins. On en met plus. Ah, vous êtes, franchement, vous êtes adorables parce que les gens votent moins. Oh, trop gentil. Les gens votent moins. Bah, moins, du coup, c'est pas possible. Ok. On a eu 10 votes pour. On en met plus, non, et 5 votes. Donc il y a 5 personnes qui te veulent du mal. Trop écoute, bien. Pas peur du ban. Donc de toute façon, je ne voudrais pas ban. Bien, évidemment. Est-ce que tu es prête? Écoute, je te laisse prendre la cuillère. Merci. Et voilà, faire un petit peu comme tu veux. Je te laisse respirer, je te laisse. Ça pique sa mère. Profiter de ton moment. Ça va être chaud. Attends, il y a ça, il y a les chips à côté. Je m'ouvre bien le truc parce que je me connais. Bon, l'eau, de toute façon, c'est normalement, pas bon, je te jure, en vrai, ça devrait aller. Ça va. Bon, allez. Tu as un malentendu. C'est pas si terrible. C'est terrible. Oh, ok. On va faire passer une chips. C'est pas au niveau de la chips, mais c'est... Oh. T'es sûr que tu veux pas un petit peu de... Non, en vrai, moi, ça va. En vrai, ça va. Bon, en vrai, moi, j'ai pas de raison de le faire. J'ai gagné du temps. Tu veux un peu de lait? Ouais. Finir l'eau. Si, son Lego, il avance de fou, les gars. S'il te plaît. Oh, quand j'expire, c'est encore pire. Ah, ça y est, ça commence à descendre dans ma gorge. C'est pas une bonne chose. C'est grave. Ah, ça va, en vrai, sur une échelle de 1 à 10, elle est à combien? C'est moins pire que la chips. Oui, mais... bah oui, forcément. Forcément. Stélie, il faut que ce soit... faut que ça réveille un peu les papilles, mais que ce soit en mode... Ok, c'est ok, tu vois. Genre, tu peux tanker la chose. Ah bon, 7-8 quand même. 7-8 quand même. Bon, ça va. Mmh. Ça va. Ça va, ça va. Bravo à tous ceux qui ont voté. Ah. Bravo à tous ceux qui ont voté non, parce que je pense que vous l'avez sauvé. Ouais, ça passe. Je pense que vous l'avez sauvé. On me dit, de la part de Varès, le T-Rex, ce sera juste un pied à la fin du temps. Oh. Bah ouais, ouais, ouais. Ah non. Mais vous savez que moi, je suis très heureux quand les invités, ils arrivent pas à finir le Lego, parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque émission, je suis obligé de... bah, redémonter le Lego pour que la personne d'après puisse, voilà, puisse le remonter, etc. Et je suis content parce que du coup, j'aurai très très peu de travail, donc merci Matou. De rien. Ça fait plaisir. Vraiment, je fais juste ça pour toi. Est-ce que c'est la plus avancée des 3 invités? Oui, en partant de la fin. Voilà. En partant de la fin, c'est, elle en est à l'étape 49, il y en a à peu près 200 et il lui reste 36 voilà. Minutes. Pour une personne qui n'a jamais fait de Lego quand même, hein. J'ai dit Varès. Ah oui, Vérès, pardon. Pardon, on écorche les pseudos ici, ça fait également partie voilà, de la petite spécialité de débloque. De la maison. Voilà. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que Mathilde est heureuse d'avoir pu avoir de la sauce piquante. Un super moment. Grâce à votre choix. Grâce à votre choix. Donc, merci à vous. Mais c'est bien parce que il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que du coup, ta communauté. Oui. Certes, ils ont choisi la mauvaise boîte. Ouais. Mais ils se sont rattrapés parce qu'ils ont voté non pour remettre de la sauce piquante après. C'est vrai, vous avez... Tu vois, et en vrai, ils auraient pu faire les bâtards. Ils auraient pu dire, ouais, mais non, c'est compliqué, etc. Parce que c'est bien dans ma gorge. Ils ont été relativement sympas. Ouais, vachement gentils, hein. Ils ont été relativement sympas, donc voilà. Merci à vous, c'est très très bien. Ça va, là, tu sens que ça... Ah, c'est dans ma... Ça chauffe un petit peu ou pas? Ah, ça chauffe de fou, là. Je le sens là et je le sens... Est-ce que tu reveux de l'eau? Je veux bien. Attends, du lait. Tu veux du lait? Je veux bien du lait parce que ça... Ah, ça passe dans le fond de ma gorge et dans le fond de ma langue aussi. Mmh. Quelle sensation, tellement agréable. Hop. Voilà, j'essaie vraiment de me donner du speed là, mais... Oups, merci. Nickel, la caméra voilà, qui avait enlevé le focus.
C'est bien, moi je suis très heureux. Hein. Mmh. Ah oui, tu en veux? Ah mais en vrai, vous voyez ce qu'elle vient de dire là? Je trouve que ça a du sens et je pense que dans des blogs, personne n'a jamais fait un discours aussi poignant. C'est-à-dire j'y étais, tu vois. Ouais. J'y étais, j'ai pas vécu ce qu'elle vient de raconter, mais pourtant j'y étais, tu vois. Je vous ai inspiré. J'étais vraiment à deux doigts d'avoir les larmes. J'ai une scène avec des larmes. Non, j'ai pas de scène avec des larmes, c'est dommage. C'est très dommage. Non mais c'est bien, j'y fus, exactement, voilà. J'y fus. J'étais là à ce moment-là. C'est vrai qu'on en reparlera plus vous tard. Vous étiez, on en reparlera plus tard, exactement. Tu jures. C'est beau. Ouh là là. Bon écoute, on va faire peut-être une petite trêve. Vas-y. D'accord, on va faire une petite trêve. On va parler d'autre chose. On va parler du coup... J'ai peur de ce qu'on va parler. Non, on va parler d'un sujet sympa. Oui. Qui est ton futur projet Instagram dédié au cosplay. Donc on m'a dit que c'est Sabrina la petite. On m'a dit que t'avais un projet de compte Instagram dédié au cosplay. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette photo, je me suis dit bah faut que t'y ailles, tu vois, parce qu'il y a un truc, tu vois, genre là Lolita, on voit que c'est vraiment voilà, on le rappelle hein, lors de la première Japan Expo hein, oui, qu'elle avait fait. C'est, je trouve que voilà, on sent qu'il y a de la passion, que le cosplay est réussi, qu'elle y a mis du temps, qu'elle y a mis de l'énergie. Oh. Et voilà, et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est pas vraiment moi qui l'ai fait, c'est ma grand-mère qui est du coup couturière, qui fut couturière, et donc du coup elle a fait les cosplays de Sabrina, qui est là, qui a visiblement donné les photos, et de Mathilde aussi. C'est pas forcément Sabrina. Non, c'est pas forcément Sabrina. Ouais, parce qu'il y a sa sœur et il y a mon frère à côté là, donc du coup je... j'ai des gros doutes sur Sabrina. Bina, non, ça parle pas. Bina, es-tu Bina, dans le chat? Bina, c'est qui Bina? Oh, je sais pas, c'est... Bina, est-ce que Bina est dans le chat? On va regarder si Bina est dans le chat. C'est peut-être une petite prêtresse. Alors, Bina. Bina. Ah, je vois pas de Bina, c'est vraiment dommage. Hein. Pas de Bina. Ah, c'est vraiment dommage, y a pas de Bina dans le chat. Y a vraiment pas de Bina dans le chat, c'est très dommage. Ah, c'est très dommage. Vraiment dommage, hein? Non, ouais, c'est vraiment très dommage, je te jure, vraiment. Ah, c'est bête, zut. Vraiment c'est bête. Alors, petite Bina, je ne suis absolument pas là. Ah. Une chenille. C'est dans la gorge. Ça va, mais t'arrives à t'en sortir ou pas? Parce que depuis tout à l'heure, ça me paraît compliqué quand même. Oui, c'est ça. Ça me paraît compliqué. Ma vie est extrêmement dure là, mais je survis, je suis là quoi. Et on commence à arriver sur des pièces qui commencent. On commence à arriver sur les pièces un petit peu plus compliquées, mais oui. Tu es à 32 minutes et ça va, donc c'est exceptionnel. Non, mais en vrai. Parler du cosplay, c'était un peu pour les trolls. Mais est-ce que là, tu vois, là, je pense que les gens qui sont sur ce live-là, ouais. Je pense que c'est la crème de la crème de ta communauté. Tu vois, c'est les gens qui sont vraiment engagés, qui ont vraiment envie de te voir, même si c'est pas sur ta chaîne. Tu vois. Voir galérer surtout. Est-ce que t'as pas, une petite, je sais pas, un petit truc à leur raconter, un petit avant-première, un projet peut-être que tu vas faire par là-dessus. Y a pas de photo, y a rien. Y a pas de Juste, est-ce que tu veux teaser peut-être quelque chose que tu vas faire à un moment? À un moment, récemment, est-ce que t'as un projet secret? Est-ce que t'as quelque chose? Ça me fait peur. Est-ce que je devrais avoir un projet secret? C'est ça ma question? Non, il y a pas de projet secret. Là, pour une fois, je te jure, c'est pas une question piège. Mais voilà, régale les gens qui te suivent. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de prévu? Je sais pas. Quelque chose de prévu. Est-ce que t'as un projet là en 2024? C'est quoi le projet 2024? Le plus gros projet 2024? Waouh. Bah déjà, ce sera participer au Play for Life qui est pas mal parce que je fais pas beaucoup d'événements et je trouve ça vraiment cool d'être réinvité. Mais sinon je pense que c'est mon seul objectif, et c'est déjà pas mal. Après, on verra cette année ce qui se déroule, mais je suis tellement ouverte aux nouvelles propositions, comme on dit, à l'écoute du marché. Voilà, j'ai vraiment les termes. Mais non, en vrai, j'attends de voir ce que cette année va donner. J'attends de voir, je suis open. Moi, on m'a dit qu'est-ce qu'elle va faire cette année? Pas le Lego. Pas le Lego, clairement. C'est vrai que ça me paraît un petit peu compliqué. Mais écoutez, on se donne, hein, mais bon. Mais oui, c'est vrai que en vrai, le Play for Life, ça va être marrant. Ah, ça va être incroyable. C'est va falloir préparer ces donation goals. J'espère que t'as des belles choses. On en parlait un peu tout à l'heure avant que le live commence. Clairement. Mais voilà, il va y avoir des beaux donation goals. J'ai hâte de voir tout ça. Ah bah on va réfléchir justement avec les donation goals. Moi, je pense qu'il y a celui que sur Europa Park qui va sûrement réapparaître, en tout cas de mon côté. Ouais, c'était du coup celui où tu y allais avec quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'invite un viewer Europa Park et j'en connais un qui est très très chaud. Je pense qu'on fera ça à plus grosse donation. Et, ouais. Et à voir en fait ce qui se concrétise, ce qui se fait. J'espère que ça plaira surtout. J'espère que ça plaira. Y a pas de raison.
Oui, non, normalement ça va bien se passer. Ça se passe aussi bien que la construction de Lego. Bon, j'aimerais mieux que ça se passe mieux que la construction du Lego actuellement. Ça se passe pas trop mal. En vrai, 59, ça va. Tu es bientôt dans ton département au niveau de l'étape, c'est bien. Grave. C'est une belle perf. Bravo. Belle perf de fou. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, tu vois, je suis quand même pas mal de streamers, etc. Et c'est vrai que toi, t'arrives vachement bien. Et la dernière fois, t'en parlais en live, tu sais, genre, oh, j'ai vu tel train qui est sorti, etc. Ouais. T'arrives à bien être au courant des trains qui vont sortir, à jouer sur ça, à faire des vidéos sur ça, etc. C'est genre, d'un coup, tu t'es dit, vas-y, je vais me mettre à faire des trains, ou genre, t'as... Sur TikTok, tu veux dire? Ouais, même sur TikTok, sur Insta, tu fais des trucs, tu vois. Bah, genre, en fait, sur... C'est dur de produire du contenu, quand même, aussi régulièrement. Franchement, j'essaie d'en poster tous les jours. On va dire que des fois, je me réserve une journée où je me dis, allez, vas-y, en fait, je m'enregistre des TikTok et je me dis, comment je pourrais les mettre à la sauce gaming, on va dire, ça comme ça. Et du coup, bah, en fait, j'essaye d'adapter en me disant « Ah ouais, ça me fait penser à ça. Bon, voilà, je suis très Dead by Daylight, donc j'essaie aussi d'adapter le contenu là-dessus. Mais ouais, j'essaie de tout poster sur Insta. Et puis après, bah, forcément, je refais tout passer sur TikTok en me disant « Bon, bah, si ça plaît sur TikTok, ça devrait plaire sur Insta. » En essayant de me dire. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. En vrai, la commu Insta est quand même vachement plus... normalement, vachement plus là que la commu TikTok, non? Des fois, ça dépend. Il fut un temps, mais en fait, c'est depuis que l'algorithme a changé, c'est un peu plus compliqué. Oh tiens, il est passé où mon Lego? J'ai perdu mon Lego. Mais qu'est-ce qui se passe? Là? Attends, c'était pas celui-là? Si, j'ai déjà collé. J'ai rien dit, j'ai juste paniqué. j'ai juste paniqué. Mais du coup, non, ça, en fait, ça dépend. En 2020, c'était vraiment plus simple parce qu'il suffisait de faire des trends et de te dire, bon, voilà, ça va rouler. Mais là, aujourd'hui, l'algo a changé, donc il faut vraiment... je pense qu'il faut être plus nature peinture aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Bah, j'ai adoré ta phrase sur ça, justement. Nature, ouais, bah c'est... J'ai adoré ta voix sur ça, je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai que... Après, ça se voit quand même, tu vois, ce que tu dégages, même en live, etc. C'est toujours... Enfin, j'ai vu très honnête, le nombre de blagues, enfin, tu vois, il n'y a pas trop de fil, tu vois, ça, c'est... Ouais. Ça, en vrai, c'est bien, je pense que ta commune aussi aime oui. que tu fasses ça, tu vois, il y a des petits running gags, il y a des petites blagues, il y a des petites... C'est d'être vraiment... Enfin, voilà, y a, des fois, je bride quand même mon humour pour ne pas non plus choquer tout le monde, mais c'est vrai que, bon, je... Voilà, je me dis si je vais pas essayer de changer ma personnalité en me disant bon ça serait plus politiquement correct, etc. Oui. Parce que bon bah voilà, si à chaque fois si je entre guillemets mens dès le début en essayant d'être parfaite, etc. Déjà à un moment je vais exploser. Et puis même genre la vraie personnalité elle ressort à un moment. Ah oui, c'est sûr. Si c'était pas naturel, c'était pas sympa avec les gens, la vraie personnalité elle ressort. Ah clairement. Tu vois, c'est sûr. Genre la vraie personnalité c'est genre faire bouffer de la sauce piquante, trouver des photos, des choses comme ça. Non, quand t'as quelqu'un qui fait ça, tu sais que c'est un connard, tu vois. Ouais, clairement. T'as même pas besoin d'aller. Bah je sais, d'aller mais. Fumer quelque part. Voilà, maintenant, bon, les deux menaces vont fuser, mais ça reste du détail. Ah, ouais, de toute façon, on avait dit qu'on allait déménager là bientôt. Donc, ah, ouais, non, ça. Quel dommage, hein. C'est con, hein. Bon, j'essaierai de suivre ton courrier, y'a pas de soucis. Ouais, non, t'inquiète. Non. T'embêtes pas ça. Vraiment, t'embêtes pas. Faut pas t'embêter, ça sert à rien. Ah, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir carrément. Okay. Ça me fait plaisir, y a pas de. Bah, dans ce cas-là, j'accepte. Hein. Vraiment, grand plaisir. Avec plaisir, un plaisir forcé, bien sûr. Oh. Non, pas du tout. C'est pas un plaisir forcé, je suis juste heureux. Je me dis, waouh, putain, je vais recevoir des petites lettres et tout, c'est cool. Tu sais, des lettres de bienveillance, tu vois, être sympa, tout ça, ça. Non, ça régale. Toujours dans la bienveillance. En vrai, ça régale. Hello. Non, c'est vrai. Mais non, franchement, ouais. Bien joué à toi, parce que le fait de faire autant de vidéos comme ça, moi déjà je galère à sortir autant de même 3 reels par semaine. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Sauf que toi en plus t'as le tournage. Moi tu vois, c'est les trucs par exemple repris de clips, mais toi tu tournes. Certains, oui. Sur une idée par jour, c'est quand même un travail titané. Bah, en fait, j'enregistre tout ce que je peux. Je me dis, ça peut être intéressant. Donc je vois par exemple des gens qui font des trains, etc. Et je me dis, ah, mais ça peut vraiment être intéressant. Et même si je vais peut-être rien faire dessus à ma sauce, bah, je me dis, bon, je le garde sous le coude. Sur un moment ou un autre, j'aurai peut-être une idée machiavélique qui va sortir de mon crâne et je vais pouvoir faire quelque chose. Donc du coup, c'est vraiment le fait de tout noter. Je fais un petit piédestal, je sais pas si c'est une plaque ou quoi. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je fais en tout cas. C'est pas mal, la patte commence à s'approcher. On aura peut-être commencé le dino avant la fin du live, étape 59, bravo. C'est terrible. C'est pas mal, non, c'est pas mal. On aura fait le décor, hein. C'est bien. Bah, il y aura eu de la sauce piquante, il y aura eu plein de trucs. De toute façon, là, ça va mieux, la sauce piquante, là, c'est. Ouais, c'est fini. Ça pique toujours, hein, mais. Ça pique toujours un peu quand même. Ah ouais, okay. Mais ça pique, hein, moi, je te dis. Ok. Mais moi, je t'enjoins à la tester, hein, y a pas de soucis. Moi, je pense qu'on devrait faire un sondage dans le chat pour savoir si Frosties devrait tester. Ouais, mais moi, j'ai pas de raison de le faire, tu vois, étant donné que. L'entertainment. Tu vois, moi, je dois rester focus quand même sur. Oui.
les events sur les trucs, etc. qu'il y a à faire, tu vois. Ah, genre le chat, le stream deck, les épreuves, les 14 happenings qui doivent arriver, etc. Ouais. Tu vois. Ça m'a pas l'air du tout d'être hein. Mais après, t'as la livraison de citrouille. Ah. Enfin, t'as le butternut. Après, t'as la livraison de citrouille. Après, t'as les... Je comprends qu'il faut gérer. Tellement de livraison, tu vois. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Non, mais j'ai bien compris que tu voulais me mettre dans la sauce. Après, oui. Si t'avais voulu me mettre dans la sauce, si la commu avait voulu me mettre dans la sauce, ils auraient voté pour que tu perdes du temps. C'est vrai. Et que je prenne la sauce piquante. Mais perdre du temps, c'était pas un bon mot pour moi, clairement. C'est ça. Mais oui, je me suis dit, je peux pas ne rien t'offrir et prendre la sauce piquante. Tu vois, il faut que t'aies une contrepartie. C'est pour ça que je l'appelais la course du bœuf. Il fallait que t'aies quelque chose qui te fasse. On mérite très bien son nom. Ça te titille l'esprit en mode, je pourrais le prendre parce que c'est bâtard. Oui. Mais d'un autre côté, 3 minutes en moins et c'est vrai qu'il te reste. Et tu sais combien de temps il te reste ou pas? Pas du tout. Pas du tout. À ton avis? Je pense 25 minutes. C'est exactement ça, 24 minutes. Ah, il te reste 24 minutes, tu es à un quart du Lego. En vrai, ça va. Si tu veux, on se fait une petite pause. Y a pas de on pause. Chill. Y a pas de pause là. Ah non, y a pas de pause. Moi, perso, je peux faire une petite pause, mais toi, je vois que c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu compliqué. Le sondage, hein, tous ceux qui ont voté que Matou allait réussir, franchement, bah j'espère que vous n'avez pas dépensé beaucoup de points de chaîne, parce que c'est compliqué. Ça va être compliqué, c'est mais compliqué, je me donne, c'est compliqué. Mais au moins, voilà, elle donne tout. Elle donne tout. Et c'est déjà pas mal. Ah ouais. C'est déjà pas mal. De toute façon, il va te rester un jeu qu'on va pouvoir faire bientôt. Ok. Et qui va pouvoir te permettre peut-être de gagner un petit peu de temps. Voilà. Mais en général, moi, dans des blogs, tu vois, c'est les gens que j'invite, oui, que je suis sur les réseaux, que je sais, tu vois, un peu le mood qu'ils ont, etc. Mm-hmm. Mais voilà, on sait pas non plus 45 000 choses, etc. Donc personnes. J'aime bien poser des questions parfois qui sont un peu plus profonde, un peu plus développée, mais je trouve que ça peut être sympa de débattre. Oui. Et du coup, t'as dit que ça faisait 3-4 ans que t'étais sur... Ouais, sur Twitch. Twitch, ouais. Je pense que ça va faire 3 ans. En fait, j'ai jamais vraiment noté la date. 1, 2, 3, 4. J'ai jamais vraiment noté la date et je me suis dit... Et du coup, il faudrait que je mette une date officielle en mode... Allez, à partir de maintenant, on se dit que ça va être l'anniversaire de la chaîne. T'as pas d'anniversaire de la chaîne? Non, j'avoue qu'en fait, le truc c'est que j'ai commencé, mais je faisais des trucs tellement en random que je me suis dit, est-ce qu'on compterait pas à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me mettre sérieusement? À mettre à fond, en vrai, ouais, je suis assez d'accord. Donc du coup, j'essaye de me dire à partir de quand j'ai commencé à faire du planning. Attends, mais c'est censé tenir comme ça, là? Je suis estomaquée, là. C'est une galère, je vous dis, c'est une galère. Elle galère de fou. Je... Oui, c'est comme ça, tu peux le faire. Elle va tout casser? Non. Non? Non, mais... non, alors peut-être. Alors, j'ai cassé mon. Elle a cassé. Oh non, non. Oh, c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est bon. Oh, j'ai enlevé un truc. Ok, c'est bon. Ça tient. Personne n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Comment ça se recolle? T'inquiète, y a pas du tout la cam sur toi. T'inquiète pas vraiment. T'as pas du tout la cam ça sur toi. Ça tient pas. En vrai, ça va, non? Ouais. Ah, c'est bon. Ah. Mais ça tient. Mais c'est censé tenir. J'ai même pas réussi à le mettre. Ah, alors peut-être. J'ai peur de forcer. Si, lâche peut-être, juste. Ah, c'est bon. Mais voilà, ça tient comme ça. Voilà, félicitations, je te mets même les applaudissements parce que voilà. Bravo. Félicitations. Oh, voilà, ça tient. On a beaucoup de GG. Ça tient pas du tout. Ah, on a Charlie qui avait mis tous ses points de chaîne. Oh, Charlie. Il s'est dit sur un malentendu, mais non, il n'y a aucun malentendu. Il y a aucun. Mamitou prend son temps. Mamitou, ouais, bah Mamitou, que ça se donne. Hein. Elle se donne à fond, les gars, je vous jure, elle se donne. À fond, vraiment, ça se voit. Plus je triche même pas dans le sens où je prends vraiment les couleurs, parce qu'il y a plusieurs couleurs, tu vois. Je prends vraiment les bonnes couleurs. Non, mais je vois ça. Alors que, tu vois, de base, si je me dis je suis doomed, bah tant pis, prends n'importe quelle couleur. Non, en vrai, là, ça va, tu t'en sors super bien. Tu commences à attaquer la tête du T-Rex, ce qui n'est pas du tout l'élément principal du Lego, je vous rassure. Pour ceux qui se posent des questions et qui se disent, c'est vrai que ça ressemble pas trop au dinosaure pour l'instant, je vous rassure, calmez-vous. Je tiens à apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir. C'est tout à fait pas normal. Là, c'est vraiment la catastrophe. Et vous avez beau mettre tous les points de chaîne, vous allez beau mettre toute votre énergie, votre amour sur Matou. C'est terrible. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Plus le temps passe, moins il y a de suspense. Croit. Du coup, je voulais te poser la question, mais entre-temps, c'est... voilà. Je voulais savoir, c'était quoi le plus gros projet, le plus gros truc dont tu es fier depuis que tu as commencé Twitch? C'est quoi le truc, genre... Si je te dis, genre, depuis que t'as commencé à live, c'est ça ton truc dont t'es le plus fier, que t'as le plus kiffé, c'est quoi? Oh là là, c'est chaud, parce qu'il faut que je me rappelle et j'ai zéro dans mémoire. En 3 ans, c'est ça. En 3 ans, franchement, c'est de réussir à avoir mis mes transitions après 3 ans. Non, en vrai, franchement, le truc dont je suis plus fier, je dirais peut-être même le Play for Life, parce que pour moi, ça a été le vrai premier gros événement
Chenille auquel j'ai participé. Et j'aurais jamais pensé déjà à rencontrer d'autres streamers parce qu'au début, moi, j'étais juste vraiment dans 2, 3, 4, 5, vraiment dans ma chambre et je bougeais pas et je m'attendais vraiment pas à commencer à faire ça, tu vois. Même au final, le PUBG, tu vois, ça, ouais, au le final, Fight for Sub. Le Fight for Sub, voilà, ça devait se faire un peu sur le nombre de vues et je me suis dit, putain, j'ai quand même réussi à être prise alors que. Ouais, je fais pas des stats de fou. Là, pour l'instant, je crois que je suis à 24 personnes en moyenne, tu vois. Donc, c'est bien, mais c'est pas énorme. Mais c'est quand même. C'est quand même un sacré truc, tu vois. C'est grave cool, du coup, ouais, qu'il t'ait invité sur l'event comme ça et qu'il se soit pas basé uniquement, tu vois, sur les chiffres. Oui. Et qu'il s'est juste dit, tiens, Matou, elle a une bonne énergie, elle c'est cool. C'est sympa. Vas-y, on va l'inviter, tu vois. Et en vrai, ça, c'est trop cool. Et vaut mieux procéder comme ça. Oui. Que de se dire, ok, elle a autant de stats, vas-y, on la prend. Mais alors, par derrière, tu vois, c'est pas. Oui, c'est pas top, fou. Top. Donc, en vrai, non, c'est cool qu'ils aient fait ça. Et puis, le Play for Life, tu connaissais personne, genre aucun streamer. Ah, moi, je connaissais vraiment personne. Je me suis assise déjà, ouais. J'étais à côté de. Le pote de Jiraya, j'oublie à chaque fois son nom, celui qui joue souvent à Summoner's War. Et vraiment, je me suis dit, bon, bah, vas-y, t'es avec des gens qui partagent ta passion, vas-y. Et en fait, la seule personne que je connaissais, c'était Ribi, qui m'avait invité, mais du coup, qui n'avait pas été sur place. Et je crois que c'est Varkan qui m'avait dit, est-ce qu'il y a des places qui sont libres? Est-ce que tu veux être sur place? J'avais dit, bon, ouais, vas-y. Et ça s'est fait comme ça. Au final, bonne nouvelle de fou. Mais en fait, c'est là où vraiment. Je me suis rendu compte que même si tu vois j'ai des modos qui aident, etc., c'est déjà trop trop cool. Bah, rencontrer en plus des gens qui sont vraiment dans le milieu, qui connaissent un peu mêmes galères, ça a été un peu libérateur aussi parce que je me suis dit, mais eux aussi ils sont en galère, tu vois. C'est eux ça, aussi, on a tous le même combat, essayer voilà, de proposer du contenu, c'est de divertir les gens, que les gens passent un bon moment. Oui. S'il y en a peut-être, je sais pas, qui aiment pas la télé, qui préfèrent rester sur Twitch, tu vois, avoir des émissions, des trucs. Clairement. Tu vois, c'est trouver des idées, des choses. En vrai. C'est un combat permanent. Ah oui, clairement, c'est un combat, savoir réussir à te démarquer, etc. Et tous les gens, ils étaient pareils, ils étaient un peu aussi nature peinture. Donc je me suis dit, ça va, c'est des gens normaux aussi, on a tous les mêmes galères. Et du coup, c'est bien parce que du coup, tous les gens sortent de leur chambre. Oui. Commencent du coup à se voir, à se dire. Grave. Quand on voit la lumière, il y a du monde et tout, il y a des gens qui font comme moi. Genre, c'est ultra trop plaisant. Bien. Mais ultra plaisant en plus de dire, on n'est pas que des. Que des pélos dans leur chambre, tu vois. C'est vraiment ce truc-là de dire, il y a un effet de communauté où les viewers ils sont là, c'est des gens aussi qui jouent aux jeux vidéo et puis on est tous ensemble, quoi. Non, en vrai, c'est ça qui était fou. Et même en événement caritatif, genre. Oui. T'es trop content, tu vois, d'avoir à la fin de l'event, te dire, putain, genre, juste nous là. De base dans notre chambre, il y a les viewers qui ont fait confiance au projet, qui ont. Oui. Voilà, qui ont donné. Qui sont restés, qui ont encouragé, qui ont partagé. Genre, tu dis, c'est quand même un truc de zinzin. Qui sont chauds. Et je sais pas si ça te fait ça aussi des fois. Mais tu sais, t'as des gens que tu connais qui vont t'offrir des subs, qui vont t'offrir des trucs où t'es en mode « Ah, c'est sympa les gars et tout, tu vois, ouais. T'es content. » Mais quand t'as quelqu'un qui vient se resub oui. chaque mois, tu dis, que t'as jamais vu, qui t'a découvert sur Twitch, et le mec, tu te dis, ou la nana, chaque mois, elle paye revient. Pour te soutenir, elle te connaît pas, t'as jamais ah, vu. Oui. Moi, je trouve ça quand même lunaire, tu vois, et même à notre échelle, on peut encore plus facilement, tu vois, voir les gens, parce que voilà, on a des petites communautés, ouais. Du coup, on peut plus facilement voir. Bah voilà, on reconnaît vraiment les pseudos, etc., des gens qui sont tout le temps là. Ouais. Et moi, il y a des fois, même si c'est un sub, tu te dis, putain, le mec, il a rentré son code de carte bleue, il est revenu, il s'est dit, il a repayé, et tu te dis, c'est un truc de malade. Il m'apprécie un minimum, et tu vois, genre, moi-même, quand je leur dis souvent, je dis que, il y en a, ça fait un an, même s'il y en a, ça fait six mois, ils sont là. Et je me dis, putain, mais toi, par exemple, je connais un peu ta vie, je sais ce que tu fais dans la vie et tout, tu vois, on se connaît à travers un écran, peut-être, si ça se trouve, on se rencontrera peut-être jamais, mais. C'est fou parce que j'arrive à reconnaître, à me dire « Ah, ça va, t'as passé tes examens, ça se passe bien, c'est un truc de fou, tu vois. » Et en fait, on est juste un groupe de randoms qui se regardent mutuellement. C'est ça, puis à force, tu commences à connaître des anecdotes, tu sais que telle personne a fait tel truc. Oui. Tu sais que telle personne est dans tel métier, elle a fait des études, elle est en vacances et tout. Clairement. En fait, à force, tu commences limite à connaître les gens, oui. Alors que de base, ils t'ont juste découvert et toi, t'étais en ta chambre. Et en vrai, c'est le principe de Twitch, hein, je sais. Mais c'est très drôle. Des fois, j'ai quand même du mal à me dire, ouais, putain, les gens, genre, ils vont dépenser de l'argent, ils vont dépenser du temps, ils vont nous faire des compliments, alors que de base, ils nous connaissent pas. Ouais, on est un peu le rendez-vous en mode, ah, ça y est, on se revient, on se recroise et tout. Alors que les gens ne nous doivent rien, c'est trop gentil. C'est trop ouais, c'est adorable. Et franchement, eux, ils se disent juste, on parle derrière un chat et tout, c'est bien. Mais ouais. En vrai, vous donnez une force incroyable. Voilà. Tous ceux qui follow des chaînes, qui discutent dans des chats, qui sub, ouais, qui apportent discuter. Du soutien, qui commentent, qui follow. Dès que vous montrez une forme de soutien envers quelqu'un, vous dites juste, bon, c'est cool, j'ai envoyé un message, bon, c'est cool, j'ai été vite fait passer sur son live. Mais sachez que nous,
C'est tellement énorme. En fait, c'est décuplé. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, nous, c'est décuplé en enveloppe. Ah putain, lui, cette personne-là, elle revient. Ah, cette personne-là, elle est là et tout. Et en vrai, vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà. Toutes les personnes qui font ça, plein de bisous et plein de cœur sur vous. C'était l'instant émotion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mais je trouve que c'est un truc qu'il faut préciser, qu'il faut dire de temps en temps. Sortez les mouchoirs, c'est vrai que là. Non, mais par contre, ce qu'on peut sortir, c'est la dernière manche qui n'est autre. La dernière manche, je suis là, mais qu'est-ce que c'est censé représenter ça ? GPT, messieurs dames. Aïe, 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 pote GPT. Pote GPT, J'ai plus trop d'espoir de gagner, mais je me dis, bon, c'est pas grave, on aura tout donné. Hein. Un petit message de Bloody. Et moi, je suis arrivé sur sa chaîne à cause d'un chien écrasé dans un jeu. Il y en a beaucoup. Et maintenant, ça m'arrive de squatter chez elle, même si elle m'accueille avec des bières pas fraîches. Oui, bah c'est arrivé attends, une fois. Des bières pas fraîches ou des bières sans alcool? C'est arrivé une fois. Je me suis trompée dans l'achat des bières. Alors, à la personne qui a rempli le formulaire, ça, c'est des choses qu'il faut préciser avant que j'invite quelqu'un. Parce que voilà, si, enfin, j'aurais pas invité des mauvaises personnes, mais du coup, bah désolé, hein. Désolé le chat, je suis désolé. Hein. Mais ouais, je trouve que c'est un peu honteux. Oui. J'espère, voilà, j'espère qu'elle te payera un resto pour se faire pardonner. Voilà. Ah, désolé, Bloody. Je me mets vraiment dans la merde. Il me le répète assez, ça va. Bon, ça va, va alors, c'est gentil, c'est gentil. Tu ne dois plus réitérer l'erreur. On va aller, du coup, sur chat GPT. Vas-y, fais-moi. Tu vas, du coup, devoir appeler... Oui. Quelqu'un. La personne de ton choix. Tu vas devoir appeler la personne de ton choix. Oui. Elle va devoir décrocher dans la minute. Putain. Sinon, préparez-vous. Tu perds une minute. Ok, bon, déjà, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Je sais là, que... ceux qui ont le numéro de Matou, soyez bien proche de votre téléphone. D'accord? Soyez bien proche de votre téléphone. Ok. La personne qui sera appelée, je pars du principe que voilà, y a pas de, on n'est pas là pour tricher, on n'est pas là pour... voilà. Pour titre, on est juste là pour s'amuser, passer un bon moment. Oui. La personne qui va être appelée, je lui demande juste de couper le son du live. Ouais. Voilà, afin qu'elle n'entende pas les mots que je vais dire à Matou qu'elle devra faire deviner. Je lui demande juste de couper le son du live durant l'épreuve. Voilà, afin de voilà, de pas perturber le jeu et que voilà, on s'en fout. Il y a peut-être du temps à gagner, mais voilà, ça reste un jeu donc inutile de tricher, inutile. Voilà, de laisser le temps. Je lui ai demandé du coup tout de suite à ChatGPT de me donner, donne-moi 5 mots qui n'ont aucun rapport. Et là, je dois appeler quelqu'un pour m'aider, c'est ça? Hop. Oh, j'avais la... Oh. Il m'a redonné le même prompt, la même chose qu'avec Bubble. Ah, donc l'intelligence est limitée. L'intelligence artificielle est limitée, dis donc. Madame Matou, préparez votre téléphone. Faites chauffer le téléphone, car vous allez devoir appeler quelqu'un. Qui décidez-vous d'appeler? Bina, Sabrina, j'espère que t'es prête et que t'es sur le live parce qu'il va falloir que tu répondes très très vite. Eh ben, c'est ce que nous allons voir. Je te laisse bien sûr te mettre aussi en haut-parleur. Je l'appelle directement. Tu l'appelles directement. Allez, s'il te plaît, Sabrina, réponds. Je t'en supplie. Sabrina, réponds. Sabrina, j'ai une question pour toi. C'est toi qui as donné les photos? Quelle petite C'est marrant, je suis en différé avec le chat. Oh, j'adore. Trop bizarre, dis donc, ça. Ouais, désolé, j'étais... T'es pas vraiment désolé. Elle n'est pas vraiment désolée, on n'a pas passé une heure et demie sur Discord à raconter les trucs. Et non, imagine, c'est ça, genre imagine, non, ce serait bâtard. Mais c'est fou. Au début, je suis pas avec énormément d'histoires et tout, et puis au fur et à mesure, ça a déroulé. Je connais même ton numéro de carte bleue et l'adresse exacte, le nom de ton premier chat. Et, Oh mon dieu, ça va être là. J'ai eu peur et tout. Qu'est-ce que c'est? Madame Sabrina, est-ce que vous êtes prête? C'était prête, Sabrina. Oui, 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 oui. Très bien. Alors, je vous invite bien sûr à tout de suite muter le live. Ouais. Afin de ne pas écouter les réponses qui vont être dites. Oui. Voilà. Je regarde même plus. Très bien. Parfait. Matou, je vais te laisser mute le téléphone, comme ça elle n'entend pas. Ok. C'est mute. Voilà. Les 5 mots que tu vas devoir faire deviner sont les suivants. Ok. Ça va s'afficher là ou c'est toi qui le dis? C'est moi qui te l'ai dit. Ok. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui. Avion. Ok. Pastèque. Mathieu, je t'entends plus. Bibliothèque. Ouais. Trompette, montagne. Je dois lui faire deviner ça? Ouais, un par un. Ok, tu peux me répéter doucement? Tu sais quoi, on va faire deux par deux. Deux par deux. Avion, pastèque. Ok. Est-ce que... Vas-y, démute-toi.
Okay. Est-ce que tu es prête? Je vais lancer un chronomètre et tu vas avoir... Sur Codename, on avait été fortes, hein. Il va falloir, avec il va falloir un répondre. Mot ou avec... avec non, la première manche... Ouais. C'est... Ah non, pardon, la première manche, j'ai rien dit. T'as rien dit, ok. J'ai rien dit. La première manche... Oui. C'est pas un chronomètre, c'est la deuxième, pardon. La première manche, tu gagnes 2 minutes. Oui. Si elle trouve en moins de 3 mots. En moins de 3 mots. Oh, putain. Ok. Par contre, tu perds 1 minute si c'est plus de 10 mots. Voilà. Et entre 4 mots et 9 mots, c'est plus 1 minute. Ok. Bon, bah, je vais essayer le... Je peux essayer le premier? Oui. Tu peux... Tu vas me donner des mots et... C'est ça. En fait, là, elle va te donner des mots. Enfin, elle va te donner un premier mot pour décrire le mot qui a été sélectionné. Et tu vas devoir deviner, du coup, suite à sa description. Ok. Est-ce que tu es prête, du coup, pour le premier mot, quand tu veux? Ok, ouais, on était très nuls sur Conem. Ok, voyager. Avion. C'est une bonne réponse. Oh, c'est une bonne réponse. Félicitations. Félicitations. Félicitations, félicitations. Tu gagnes 2 minutes déjà sur cette bonne réponse. Ça peut aller très vite, hein. Pote GPT, ça peut aller très vite niveau temps. Ok, bien joué. Félicitations. Est-ce que tu te souviens du deuxième mot? Oui, je me souviens du second. Quand tu veux. Sabrina, je vais te dire melon. Premier truc qui te sort par la tête. Melon. C'est pas la bonne pièce. Pépin. De quoi? Pépin. Et après, tu dois juste... voilà, tu dois... Ok. Décrire comme tu peux. Enfin, décrire, mais genre avec un mot. Genre, plus grand, plus petit... Vert. Pastèque. Oui. Yes. Oh, j'ai failli te dire dodo. Bien joué. Félicitations. Non, c'est parfait. Attends, je te remute, je ne me souviens plus des autres mots. Bouge pas. C'est quoi les deux sons? Bibliothèque, trompette, montagne. Alors, bibliothèque, trompette, montagne. Je pense que je vais tenter par bibliothèque. Ok. Ok. J'ai un autre mot pour toi. Livre. Bibliothèque. Oh, oui. Let's go. Putain, mais incroyable. Mais Sabrina, t'es plus forte que sur le côté. C'est la première fois que ça arrive qu'elle devine du premier et deuxième mot comme ça. Félicitations. Félicitations. Très bien. Et les autres mots, du coup? Ok, alors... Tu te souviens des autres? Je me souviens des autres. Je pense que ça va être en 2 mots. Aristocha. Disney. Ok, c'est pas ça. Et le deuxième mot, ça sera instrument. Piano. Non, il lui manque un troisième mot, c'est ça? Non, c'est toi. Ah. T'en dis autant que tu veux. C'est juste, si elle trouve en moins de 3, tu gagnes du temps, sinon. Alors, vas-y, le troisième, il faut que je réfléchisse. Attends, Aristocha et piano. Non, Aristocha et instrument. Avant. Genre A, plus loin, V-E-N-T. Ah, Comment je dirais Let's oui go! Félicitations, c'est encore 2 minutes qui ont été gagnées. Let's go, c'est bon. Ça, c'est beau. Hein. On est forte. Ok, elle attends. Est trop forte. Je vraiment, te remute, je super reprends forte. Le dernier. C'est lequel le dernier? Le dernier, c'est montagne. Montagne, ok. Ok, Sabrina, j'ai le dernier. Skier. Montagne. Let's go! Félicitations! Bien joué, Sabrina! Félicitations, Sabrina! Oh putain! C'est la première fois que ça arrive, mais tu as gagné. Là, je sais pas si tu te rends compte, mais tu viens de gagner 10 minutes. Oh, 10 minutes, Sabrina, 10 minutes. Tu gagnes 2 minutes par bonne réponse. Tu viens de gagner 10 minutes. Incroyable. Je suis trop contente. Voilà. Attends, j'ai une question. Il y a une deuxième manche. Il y a une deuxième manche. Il y a une deuxième manche. Putain, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux pour cette deuxième manche? Oui, totalement. La deuxième manche, tu vas devoir ouais. Donc dire un seul mot. Un seul et après, tu devras juste dire oui ou non. D'accord. Voilà. Et tu vas devoir faire deviner. 3 mots. Ouais. 3 en mots. Moins de 1 minute. Ok. 3 mots en moins de 1 minute. Moins d'une minute et j'ai le droit qu'à un seul mot, avec oui ou non. C'est ça, à chaque fois, tu en as donné un seul mot, et après oui ou non. Ok, très bien. Bah Sabrina, je te mute, on va partir. Ok. Est-ce que tu es prête? Vas-y, je suis prête. Océan, triangle et chocolat. Okay, océan, triangle, chocolat. Je vais sûrement les oublier, mais ok. Océan, triangle et chocolat. Tu me dis, dès que tu es prête, je vais lancer le chronomètre. Okay. Est-ce que tu es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Mer. Océan.
dans le sable. Non. Mer. Plage. Non. Vacances. Non. Mer. Bateau. Non. Mouette. Non. Pêche. Non, tente tout. Non. Mer, coquillage. Non. C'est peut-être chose. Bronzé, que... soleil. Non, non. Dune. Non. Non. Mer, vague. Non. Écume. Non. On peut essayer un autre mot ou on doit tout refaire exactement le même. Il reste 5 secondes donc je pense que c'est compliqué. C'était océan. J'ai fallu que je trouve un. C'était synonyme, océan. Mais... Après si tu pour le fun on peut essayer de trouver voilà on peut essayer de trouver les autres et si tu le veux tu sais quoi celui-là il était peut-être pas simple tu sais quoi. On va retenter les autres. Ok je te laisse. Je te laisse une minute. Faut que je retrouve un. Mais un par mot, contre, là. Si tu le fais, ouais. Voilà, je te donne pas 2 minutes, je te donne qu'une seule minute. Mais voilà, il te reste les 2 autres mots à faire deviner que tu peux tenter. Je réfléchis juste à un mot avant de te donner un truc. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Qu'est-ce que je pourrais te dire pour les deux? Parce que les deux sont pas non plus évidents. Ok, j'en ai un pour un et pour le deuxième. Le deuxième. Ok, bon, tu sais quoi, je vais essayer ça. T'es prête? C'est vrai? Go! Ok, Léonidas. Chocolat? Parfait. Le deuxième mot, c'est. Attends, je l'avais. Géométrie. Compas? Non. Maths? Non. Géométrie. Symétrie? Non. Triangle, carré. Oui, triangle, let's go! Bien joué, Sorina! Let's go, félicitations! T'as un an que je trouve pas là. Félicitations, t'as gagné quand même une minute de plus. Ouh. sur ça. C'est bon ça! C'est beau? C'est très bien. Je suis stressée. T'inquiète. Non, mais en vrai, t'as plutôt pas trop mal géré. Ouais. T'as plutôt pas trop mal géré, franchement. Bien joué, Sorina. T'as gagné, mine de rien, sur ça, t'as gagné 11 minutes. 11 minutes et putain, il y a une pièce. 11 minutes sur ça. Dis-toi qu'il y a une pièce que je trouve pas que depuis tout à l'heure, je suis en train de la chercher donc en plus. Bouge pas sur les petites pièces, continue. Bah ouais, mais continue, t'es marrante. Est-ce que tu repars après avec? Non, je repars pas avec. Elle pourrait repartir avec si jamais elle était vraiment proche du but. Mais là, Sabrina, je suis pas proche du but. Elle est plutôt proche du départ, je crois. Je suis proche du départ. Oui, là, j'étais en mode. Ah non. En fait, tu fais te déconcentrer si facilement, c'est si drôle. Terrible. Ok. Non mais félicitations en tout cas. Ouais. Bravo. Bien joué Sabrina. Plus 11 minutes, franchement t'as géré. Bravo à toi. C'était fou. Des bisous. Regarde quand même si Laure elle est connectée au cas où. Je pense pas qu'elle soit connectée. Oh la folle. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup. Franchement, terrible. Je pense bien que t'as appelé la bonne personne. Ah ouais, non, mais en plus, on a joué à Codename il y a pas longtemps et elle arrivait vraiment pas à trouver. Ouais, et bah du coup, franchement, là, t'as choisi la bonne, personne parce qu'elle a, super bien géré. Est-ce que tu en veux peut-être à boire? Je veux bien de l'eau. De l'eau s'il vous plaît. Juste le rein, c'est peut-être parce qu'il y a du lait. Ça peut être. Ça vous inquiétez pas, ça dérange pas. Heureusement que ma superbe assistante est là. Et là, effectivement, incroyable assistante. Non mais franchement, ouais, bien joué. Et c'est la première fois. Une chenille. Ils aiment trop la chenille. Hein. C'est trop bien une chenille. Ça, vous voulez une danse, c'est ça? J'ai compris, les gars. C'est Francis qui va la faire. Allez, c'est parti. Si tu finis le Lego, je danse la chenille. Oh non mais là, c'est le défi infaisable. Non, là, j'avoue, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué, je pense que. Il reste 12 minutes. Mais 12 minutes. Il est temps. Dis-toi que si t'avais pas gagné là, il te resterait une minute. Ça serait impossible. Je suis à l'étape 85. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit check Lego? Voilà. On n'est plus à ça près. Hein. Oh. On en est là. C'est un petit peu compliqué. Là, c'est censé être le dinosaure. Hein. Ouais, là, ça commence à devenir un petit peu. C'est un peu un tendu. Un petit peu compliqué. Mais. Wow. Il va falloir donner jusqu'au bout parce que le but c'est quand même que tu ailles le plus loin. Ah bah j'essaye. C'est quand même que tu ailles le plus loin possible. Le plus loin possible. Non, en vrai,
c'est très difficile de rester à la fois concentré, tu vois, sur les épreuves, sur les ceci, sur les cela. Donc, je peux comprendre que ce soit pas super, super simple. C'est vrai. Je crois que c'est pas super, super simple. J'auto-valise. Et en vrai, je comprends. Mais mine de rien, je sais pas si on va calculer exactement, mais t'as quand même gagné 11 minutes sur le pod GPT. Le mini-jeu. Ouais. Sur le quiz, t'as quand même gagné pas mal de temps aussi. Ouais. Et sur les Lego, ça a été un petit peu plus compliqué sur les pièces de Lego. Ah, c'est vrai, bah là. Ça a été un petit peu plus compliqué. T'as perdu peut-être 2 minutes. Quoique, en vrai, t'avais réussi à le faire malgré les gants de ski. Ouais, franchement, donc, je suis donné là-dessus. Hein. Donc, en vrai, je trouve que franchement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. N'oubliez pas que. J'aurais géré dans 10 minutes 47. 10 minutes 44, pardon. Il va y avoir une dernière épreuve dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est. Le jeu du canard. Le jeu du canard, si jamais Matou remporte le jeu du canard, je vais essayer. Elle va pouvoir gagner 5 minutes de temps supplémentaire où je ne vais pas l'embêter, où elle sera totalement focus dans son Lego et rien ne pourra l'arrêter. Voilà, et c'est ces 5 minutes-là où elle va vraiment essayer speeder. De tout donner, essayer de voilà, aller le plus loin possible et peut-être dépasser Valentin qui avait fait jusqu'à la page, jusqu'à l'étape 102, tu es à l'étape 85, oui. Donc je te jure que c'est possible. Je te jure que c'est possible que tu puisses dépasser Rulta de la précédente édition. Et je pense que ta communauté a envie de te voir quand même réussir. Ils ont envie de te voir gagner et dépasser le précédent concurrent. J'espère aussi. Donc tu vas vraiment réussir à le faire, c'est sûr et certain. Tu peux le faire. Franchement, qu'est-ce que tu penses un peu des Lego là? Ça va comparer au Playmobil? Bah franchement, ouais, c'est fun, tu vois. Ça pourrait être détendant si j'avais plus de temps. Effectivement, c'est une notion que je n'ai pas là, mais en vrai, franchement, c'est rigolo. J'aime bien. Il est possible que je m'achète des Lego par la suite, juste pour le plaisir de les construire. Parce que j'aime juste bien pour le plaisir de les construire, c'est ouais. Vrai. Ouais. En vrai, j'aime bien tout ce qui est puzzle déjà de base, donc même si c'est des Lego, j'aime bien ce truc un peu de faire les choses par soi-même. En plus, c'est bien, ça me permet de me déconnecter des écrans. Donc, c'est vrai que là, t'es obligé d'être... Un peu focus. D'être obligé d'être focus à fond. Oui, parce que dès que t'as un petit truc, dis l'attention. Et je pense qu'un jour, j'aimerais avoir, du coup, sur des blocs, un mécanisme pour essayer de voir combien de temps chaque invité perd. Oh, c'est-à-dire que chaque invité, ils réagissent pas pareil en fonction des épreuves, en fonction des situations qu'ils ont, etc. Tu vois, toi, t'as perdu du temps avec le magazine. T'as perdu du temps avec la course, oui. T'as perdu du temps avec plein de choses. En fait, du coup, ce qui me fume un peu, c'est de voir un peu comment chaque personne bah, voilà, réagit, tu vois. Et c'est vrai qu'en discutant, du coup, peut-être avec quelqu'un de ta communauté, on m'a confié que t'avais peut-être du mal à te... Concentrer. À te concentrer. Et je me suis dit, mais c'est exactement le type de profil qu'il me faut sur des blocs, puisque je veux des profils qui ont du mal à se concentrer et qui sont focus sur autre chose. Oh, qui sont quel focus enfer. Sur autre chose. Et c'est clairement le cas actuellement, puisque bah voilà, t'étais focus sur 45 000 choses, tout, sauf ton Lego. Et du coup, bah voilà, moi, ça me régale. Vous, je pense que ça vous régale. Parce que vous avez envie de savoir ce qui va se passer si jamais, jamais elle ne réussit pas à faire le Lego. Beaucoup de choses. Là, il y a un énorme suspense. Les gens sont en mode... Putain, est-ce qu'elle va réussir? Que OMG, va-t-elle vraiment, faire que va-t-elle faire? Quels vont être les résultats? Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il peut y avoir un retournement de situation. Et là, je le finis en 2-2 et là, parce le que j'ai finis menti. En 2-2. Oh. Voilà, spoiler alert, je pense que ça n'arrivera malheureusement pas. Tu n'as pas beaucoup foi en moi, c'est... Bah, en vrai, disons... Je pense que tu peux dépasser Rulta. Je pense que tu peux dépasser Rulta. Rulta, dans le chat, il dit c'est pas mal là. C'est pas parce mal. Parce que t'as gagné beaucoup plus de temps que lui. Ah ouais, c'est vrai. T'as gagné beaucoup plus de temps que lui. Bien joué. Et je pense que quand t'as fini cette partie-là, ouais. T'as quelques trucs encore à faire derrière et on pourra peut-être commencer à avoir la tête d'un T-Rex. C'est vrai. Parce qu'on rappelle que pour l'instant, voilà, on a juste la petite. Voilà, la petite patte, comme ceci, je vous montre un peu gros à l'écran, comme ça, hop. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On c'est nous un fait peu boire, compliqué merci, de voir le parce que j'avais soif en plus. J'avais très soif, merci. Vous avez vu un peu comme on a carrément quelqu'un qui vient me donner de l'eau. Lani, elle est incroyable, elle fait la modération, elle fait un peu la régie. Elle fait tout. De... Franchement, Lani, beaucoup trop polyvalente. Beaucoup trop polyvalente. C'est clair. Tiens, ah. On sert à tout en même temps. Voilà, ça c'est beau. Hop. Merci bien. Tiens, je pense que tu as besoin. Merci, Pissou. Ouais, je vais voir. Merci beaucoup. Je perds pas de temps, là. Bon. Bah, Frosties, sauf si tu prends la boîte, tu auras pas de remontada. Ah ouais. Donc là, ça y est, donc ouais, là, bah, prendre la boîte. Là, il reste 6 minutes 30. Là, ça y est, vous avez give up. Là, ça y est, vous croyez plus en Matou. Non, mais vous êtes dur là. Non, mais les gars, vous êtes sérieux?
Là, vous croyez plus en elle alors qu'il lui reste quand même 6 minutes? Oui. C'est dur, hein. Je t'avoue, je suis désolé, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ouais. Je suis assez triste. Je pensais pas que ta communauté allait aussi peu te soutenir. Mais allez les gars. Je t'avoue, tu vois, je croyais que tout le monde allait être content de te voir, de devoir faire des Legos, etc. Et au final, je me rends compte que bah voilà, les gens t'ont trahi, tu vois, ils t'ont planté. Comme on dit, la communauté qu'on mérite, hein. Ouais. On a la communauté qu'on mérite, c'est totalement vrai. Je dois être méchante. Au fond. C'est totalement vrai. Je pense que c'est ça. J'ai un mauvais fond. Je pense que c'est ça. Les gens voilà, t'apprécient peut-être pas tant que ça. Et ça, c'est peut-être. Terrible. Parce que là, ce que je lis sur le chat... Des insanités. Là, je lis des choses qu'il ne faudrait même pas que je lise à voix haute. Oh non, je plaisante. Ils sont très sympas. J'ai peur. Mais en vrai, 5 minutes 30. Moi, je pense que l'objectif que tu dois viser, c'est que là, il reste 5 minutes. Faut que tu donnes tout. J'essaie. Faut que tu donnes tout maintenant. Si tu gagnes le jeu du Lego, oui. Je te le dis, clair et net, je pense que tu dépasses Ulta quoi qu'il arrive. Là, en 5 minutes 30, t'as peut-être possibilité... J'ai toujours été nul au Lego. ...de te dépasser Ulta sur ça. Il te reste... Oh mon Dieu. ...pages. C'est nickel. Merci beaucoup pour ça. On attend que ça passe. C'est un très grand cri. Voilà. Tu attends peut-être que ça passe. Et je pense qu'on a bien fait, étant donné que c'est un enfer ce cri. Tu es à l'étape 97, Rulta a terminé à l'étape 107. Oui, surtout que... Donc là, t'as 5 minutes pour réussir... Je vais essayer. ...à faire mieux que Rulta. Je te jure que c'est possible. C'est possible. En vrai, je te jure que c'est possible. C'est possible. Faut juste vraiment que je trouve les pièces et que ça va le faire. T'es nul, Matou, et les pims, c'est trop bon. Non, les pims, c'est dégueu. Ah, ouais, j'avoue que là-dessus, je suis peut-être un peu d'accord avec toi. Hein. Désolé, mais c'est vrai que... Ah, merci. Les pims, c'est tout. Ça ne me dit rien de bon. Rien de bon. Complètement. On m'a confié un truc. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me citer? Ouais. Un truc, c'est vrai que j'ai oublié, c'est un truc que je voulais te parler au début, en fait, on a tellement fait de choses que je l'ai pas fait. Oui. C'était qui ton crush quand t'étais petite? Mon crush? C'était qui ton crush quand t'étais petite? Un acteur crush ou... Je dirais plutôt un crush IRL. Non, c'était pas un crush IRL. Est-ce que t'arrives à me sortir direct le nom de ton crush? Hugh Jackman. On m'a pas sorti celui-là, peut-être qu'il y avait celui-là aussi. J'ai peur parce que je sais pas si c'est un crush de maintenant. Si c'est un crush de maintenant, ça va être bien différent. Non, c'était vraiment quand t'étais plus jeune, t'avais un crush. What? Sur un personnage. Sur un personnage. Deidara. Exactement. Ah, je le savais, merde. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi Deidara? Mais je sais pas, je pense que... Genre, les gens, je suis désolé, c'est cliché, mais toutes les filles sont amoureuses de Sasuke. Je n'aime pas Sasuke. Il m'a saoulé, il est trop bad boy là, ça m'énerve. Après, moi j'ai toujours été à fond sur les mecs de Akatsuki, donc c'était soit Deidara, soit Idan, soit Kakuzu. Et personne ne prend Kakuzu à part moi visiblement, mais Kakuzu, hein. Il en faut bien. Non, il en faut, hein. Écoute, il y en a plus pour moi, comme on dit. Itachi, c'est vrai qu'il y avait Itachi aussi. Ah, Itachi, non. C'est vrai qu'il y avait Itachi, je suis assez d'accord. J'ai jamais trop kiffé. Ouais, Gaara, c'est vrai que, mais Deidara. Deidara. Après, il a quand même. Tu dis Sasuke, il a un côté rebelle, mais Deidara aussi, tu vois. Genre... Ouais, mais en fait, il avait des beaux cheveux, je pense. Et... Ouais, je pense que c'est ça qui c'est t'a. Ce ouais, côté-là. Je pense que c'est ça qui t'a séduit. J'ai été tchatchée par ses beaux cheveux. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Lani, Sasuke, c'est vraiment trop cliché. Et c'est pour ça que, tu vois, je me suis dit. Ah, je sais pas, il m'a toujours saoulé à faire le gars, là. Vraiment. Vous sentez, elle parle avec le cœur. Vous sentez à quel point elle parle avec le cœur. Elle a la haine envers Sasuke. Mais c'est vrai, même dans Boruto, là, je le vois. Et là, les gars, happening. Le livreur déguisé en Sasuke. Ah non, pitié, pas lui. Et non, bien sûr, c'était une blague. J'aime. Quel dommage. Peut-être un jour, on aura un peu plus de budget. Quand tu auras une fille qui viendra, qui sera amoureuse de Sasuke, je pense que c'est vraiment le bon happening pour la déstabiliser. C'est sûr. C'est terrible. Non, mais c'est tellement cliché que Sasuke... Enfin, ouais, vraiment, Sasuke. Ah non, Sasuke. C'est pour ça, Deidara, quand on m'a raconté ça, encore une fois, je ne vais pas balancer mes sources de qui m'a raconté ça. C'est ces sûrement Sabrina, purée. Mais en tout cas, voilà, moi, on m'a dit... tout balancé. Ouais, désolé, Shadit, on t'aime quand même. Pitié, pas lui, elle me déteste déjà. Oui, c'est vrai que je pense que entre le coup de téléphone et le livrage de courge, je crois qu'elle a pas. Je kiffe moyennement. Je kiffe moyennement. Elle a kiffé moyennement parce que ça lui a fait perdre beaucoup de temps. J'ai tout lu. Mais c'est vrai qu'elle a dit, je trouve, avec un certain niveau de haine, tu oui. vois. Genre, elle a vraiment dit, oh non, pas lui. Genre, vraiment, si elle avait pu taper du poing, elle l'aurait fait. Tu vois. C'est vrai, mais j'étais trop occupée par les Lego pour. T'étais trop occupée à ton Lego pour le faire. Les gars, il reste. 1 minute 54, t'es à l'étape 102. Oui. T'es à l'étape 102, il te reste 5 étapes. Il faut que tu donnes tout maintenant. Te jure, pour mais être sûr de pouvoir battre Rulta, il te reste 1 minute 40 pour battre Rulta. Si jamais tu arrives
à gagner le jeu du canard, oui. Tu gagneras 5 minutes supplémentaires et tu pourras faire encore mieux que Rulta. Ok, bah j'essaye de tout donner là, vraiment. Là, vraiment, je te jure qu'il faut tout donner, c'est maintenant. En basant sur le fait que c'est 1 minute 30. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû garder le colis. Tu vois, le colis aurait dû arriver maintenant. C'est vrai. Et là, ça aurait été compliqué. Non, 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 je rigole, je rigole. Non, il fallait que ce soit. Il fallait que ce soit un petit peu quand même avant. Mais là, en vrai, tu peux le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, elle trie. Donc les Lego, comme vous pouvez le voir, dans une espèce de boîte devant elle, ok. Oui. Et c'est elle qui décide de le trier comme elle le veut. Voilà. C'est elle qui décide de le trier comme elle le veut. Mais chacun a un petit peu sa technique. Et plus vous allez faire des Lego, plus la boîte forcément va descendre, puisqu'il y aura moins de Lego. Et normalement, plus t'es censé aller vite. Retrouver. Tu as même Lily B qui a dit wow, cette star Matou qui est avec toi, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Tout le monde est avec toi. J'espère. Pour ce dernier rush final des 30 secondes. Matou, est-ce qu'il y a la signature de Rulta? Il y a la signature de Rulta. 106. Étape 106, Rulta. Tu es à l'étape 105. Matou, il te reste 24 secondes pour dépasser Rulta. J'essaye. 20, 19, 18. Je sais pas si c'est ma pièce. 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, non. 10, 9, 8, 7, 6, c'est où, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Oh. On lève les mains. Ah, on lève les mains, 106. C'est terminé. Non. Je suis là. T'es à l'étape 106. Oui, je suis à l'étape 106. Est-ce que tu as terminé l'étape 106? Non, il manque de trouver une pièce, mais non. Il te manque de trouver une pièce. En vrai, je mets là. Mais là, parce que Valentin, je lui ai offert sur la fin, j'ai vu que le chrono était arrêté, il avait mis une ou deux pièces en plus, donc j'accepte que tu termines l'étape 106. Ok, et bah du coup... Et comme ça, tu es ex aequo avec Rulta du dernier épisode. Félicitations, je pense qu'on peut... On peut quand même t'applaudir parce que voilà, c'est quand même dur. Rulta qui me dit n'importe quoi, j'ai même pas poussé. Le truc, j'ai arrêté. Je vous invite du coup à aller voir le replay pour me confirmer cette information. Je me suis donné. Non, mais en vrai, je pouvais lui laisser comme ça. Vous êtes vraiment égalité. Waouh. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que maintenant, ouais. Nous allons peut-être pouvoir nous affronter sur le dernier jeu. Ok. Et le dernier jeu, messieurs, dames, nous allons passer au jeu du canard. Jingle. Jeu du canard. Ouh. Le jeu du canard qui va être... Ah oui, il manque les petites... Qu'est-ce que c'est pattes. Que ça? Le jeu du canard, je t'invite à ce qu'on mette peut-être... On va mettre ça de... On va mettre le PC de côté, Lani. Hop, je te laisse juste le ton du jeu du canard. Voilà. Je te laisse juste le ton du jeu du canard. On va enlever les chips, les ciseaux... La courge. Je mets la courge de côté. On va tout enlever. Messieurs, dames, le jeu du canard, qu'est-ce que c'est? Donc là, il n'a plus de chrono, le chronomètre est arrêté, d'accord? Okay. Donc je tiens à préciser, le chronomètre est arrêté, on peut prendre notre temps sur cette épreuve. Le jeu du canard, attendez, je finis rapidement de le construire. Ce n'est autre qu'un mini-jeu. Vous allez voir ce que c'est, j'espère que vous voyez. Attendez, il y a le Stream Deck devant. Je n'ai jamais vu ça. Je vais le mettre ici. Non, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est. Le jeu du canard, c'est la spéciale Frosty, c'est là. C'est le jeu spécial de l'émission, le jeu que personne ne comprend. Attendez que c'est nice. Un jeu vraiment... Un peu, voilà, c'est un jeu un peu... c'est un jeu marrant, vraiment. C'est un jeu pour les enfants. Voilà, donc là, je vous le montre, comme ceci, vous à la caméra. Donc, vous allez avoir une petite surface comme celle-ci, voilà, que vous pouvez voir. Et par-dessus, il y aura un petit canard. Le but du jeu est d'être la dernière personne à faire tomber le canard. Le but du jeu, il faut que le canard reste sur la plateforme. Ok. Pour ceci, nous allons être munis de deux petits marteaux. Et nous allons devoir tourner une roue. La roue va nous indiquer, est-ce qu'on doit taper une case bleu foncé ou une case bleu clair? On va devoir du coup obligatoirement taper ouais. La case sur laquelle okay. La flèche s'est arrêtée. Très bien. Donc, si tu tombes sur sens interdit, ça veut dire que tu peux ne pas jouer. Ok, bon, donc tu passes ton tour. Mm-hmm. Bleu foncé, bleu clair. Et c'est là les que deux, je choisis. Tu dois taper les deux. Ah, je dois taper les tu deux. Tu dois taper les deux. C'est fourbe. Sache que même s'il y a plusieurs cases qui tombent, c'est pas grave. D'accord. D'accord. Même si tu en tapes un qui a du bleu foncé qui tombe, mais il faut au moins que tu aies tapé un bloc ouais. De la couleur qui va correspondre. Ok.
Est-ce qu'on peut faire un test juste de taper pour que vous voir à peu près c'est quoi la puissance du truc. La puissance du truc, de toute façon, tu vas le sentir direct. Faut pas faire ça. Ouais. Tu vas pouvoir taper doucement. Je te propose que ce qu'on fasse, c'est qu'on fait un shifumi. Ok. Pour savoir qui va commencer. Est-ce que tu répètes? On fait quoi? On fait shifumi et là, on dit. Ok, on fait pas 1, 2, 3 et après on dit shifumi et l'endiami. Non, shifumi comme okay. ça. Ok, est-ce que tu es prête? Ouais. Shifumi. Shifumi. Ok, du coup tu décides quoi? Que je commence ou que tu commences? C'est quoi tu commences? Je commence, ok, très bien. Messieurs, dames, place au petit canard qui va rester là. Sache que si tu le fais tomber, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de ne pas faire tomber la plateforme. Ok, d'accord. Donc tu verras qu'à partir... c'est-à-dire que là, regarde. Donc là, je vais tourner la roue. Okay. Je vais la tourner comme ça vous allez peut-être... je sais pas si vous allez voir si je tourne comme ça. Je sais pas si je le mets là. Là, je suis tombé sur bleu clair, par exemple. Donc, je vais devoir... Bon, allez, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je vais devoir taper sur, justement, un bleu clair. Je vais essayer de taper sur celui-ci. Ok, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment tout léger. À toi. Je te pique ça. Très bien, je vous fais... T'inquiète, on verra. Je pense qu'on verra pas d'ici, donc mets-le sur la table et c'est voilà. C'est du bleu clair. C'est du bleu clair également. Non. Non. Non, tu le sens pas? Je dois y aller. Tu dois y aller. Une fois que tu as commencé à le taper, il faut que tu y ailles. Oh, mon Dieu, ok. Ça va, franchement, ça va. Parce que j'ai tout à bouger. Sur qui pariez-vous? N'hésitez pas à répondre au sondage que Lani va faire dès maintenant. Sur qui pariez-vous? Qui va gagner ce 1v1 du canard? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est Matou? Qui, du coup, pourra gagner 5 minutes de temps supplémentaire sans aucune distraction? Ce serait bien. Merde, il faut faire un tour complet. C'est un petit peu compliqué. Bleu foncé, très bien, bleu foncé. À toi. Ok, allez. C'est toujours le jeu un peu stressant parce que t'es en mode, ok, faut pas que ça tombe, je peux quand même gagner 5 minutes. Et là, tu sais que si tu gagnes 5 minutes, tu dépasses Rultin. Ok, moi, c'est ça le... Voilà. Très bien, c'est pas scripté, hein. C'est, par contre, je trouve ça ouf, la coïncidence que t'arrives exactement à la même étape que lui. Mais t'as gagné beaucoup plus de temps que lui. Donc, oui. Je pense que heureusement que Madame Sabrina était très là, hein. Merci Sabrina. Bleu foncé. Bleu foncé, bleu foncé, bleu foncé. J'ai envie d'aller taper par là. Il y en a eu deux, c'est pas grave, mais il faut au moins qu'il y ait un bleu foncé qui est là. Bleu foncé également. Ok. Très bien. Je vais partir là-dessus. Ok. C'est tombé. C'est tombé. Très bien. Parfait. Les deux. Donc là, je dois faire un bleu clair et un bleu foncé. On va commencer à corser un peu le jeu. Tu corses, ok. Ouais, c'est eux. T'as tapé. Continue bien. J'ai l'impression qu'il tombe le canard. Non, il faut que ce soit la surface. Mais attends. Ok. Let's go. C'est non, c'est la surface entière. Ah, c'est sur ma main. C'est-à-dire, dès que le tapis s'écroule, c'est là où tu perds. Merde, je pensais que c'était le canard directement. C'est là où tu perds. Non. C'est-à-dire, même si t'en fais tomber trois en même temps, c'est ouais. Ok. En gros, tu verras qu'à la fin, c'est... Tu vois qu'en fait, oui. Tout se tient par la force, tu vois. Et à partir d'un moment, il y aura tellement plus de blocs que tout va s'effondrer. Et c'est à partir de ce moment-là où tu auras perdu ou gagné. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas gagné une seule fois au jeu du canard. Tiens à préciser. Foncé. Ouais. Bleu foncé. Tu vois, on peut le décaler, le canard, il n'y a pas de problème. Le but, c'est la surface. Ok. C'est juste ça. Ça tient pour l'instant. J'ai tellement cru, tu as putain, les deux. Les deux. Bleu clair ici. Ok, bleu clair et bleu foncé, c'est bon, j'ai... Merde. Là, ça commence à se corser. Puisqu'il reste vraiment deux lignes qui sont en train de relier le petit canard. Bleu foncé. Bleu foncé, ok, faut bien... Est-ce que je tente de faire ça? Allez. Ok, c'est bon, ça deux passe. Bleu foncé, c'est bon. Là, je pense que ça se joue à moins de 4 coups. Oui. Merde. Rien. Purée. Bleu clair. Allez, bleu clair, il commence à se faire désirer. Oh joli. Oh là, le move, il est incroyable. Il reste plus grand. Je sais pas si vous voyez. Alors, attendez, on va vous montrer comme ça la caméra pour que vous puissiez vraiment voir où est-ce qu'on en est. Voici la surface qui reste. Donc, à tout moment, il faut qu'il change de deux. Ça peut vraiment basculer à tout moment. Ça peut basculer des deux côtés. Je t'en supplie, fais-le tomber. Ok. Allez, c'est le moment de tomber sur rien. Non. Rien. Non, mais quel chat. Foncé. Bleu foncé. En vrai, c'est là où il y en a le plus.
C'est là où on a plus, mais c'est là où tout retient. Genre que je fasse ça ou ça, c'est un peu la merde. Je vais tenter ça. Oh, il reste qu'une ligne. Il reste qu'une ligne. Il reste qu'une ligne. Tu dois avoir un truc. Ok, alors là, c'est exactement le même scénario qu'il y a deux semaines. Il reste une ligne, c'est-à-dire que la seule possibilité pour moi de gagner, c'est de faire rien avec la roulotte et que je n'ai rien. Ça fait deux fois qu'il tombe dessus, faudrait pas qu'il tombe dessus une dernière fois. Moi, j'ai plus à perdre que toi, faut que tu perdes. Allez. Ma chance, là, c'est le moment. Oh, putain. Oh, putain. Allez. Oh, c'est fini. Yes! Vas-y, fais tomber mon... C'est fini, bleu clair. Let's go! Je vais avancer sur mon T-Rex! Félicitations. Ah, ça, quel plaisir! Félicitations, tu viens de remporter un tryhard, là. 5 minutes de temps supplémentaire. 5 minutes de temps supplémentaire, félicitations. Let's go chat! Bien joué, franchement. Ouh. Bien joué, c'était pas simple. C'était pas simple du tout. C'était pas simple, c'était un beau duel. Oh. Je vais pouvoir reprendre le PC. Je vais attendre cette dernière manche. Dès que tu me dis de pour cette dernière manche. Et je vais également aller chercher... Ouais, c'est un petit peu compliqué. Hop. Merci bien. En fait, il a le casque là-bas. Normalement, je voulais avoir le... Là, pour te mettre la musique dans les oreilles. Ah, la musique... Ouais. L'acting du présentateur, je viens de lire, Madame Lani. L'acting... Hein? L'acting du présentateur, je viens de lire. Je suis morte. Hein? Elle va passer 5 minutes à discuter sans faire de logo. Non, parce que là, justement, c'est autre chose. Est-ce que tu arriveras à choper le casque qui est derrière, là-bas? Tu veux que je passe? Si tu te mets derrière le petit truc, il est au niveau de la gourde rouge. Attends, si tu veux, je le chope. Ah oui, ou sinon... Je chope, t'inquiète. Le choper, si tu y arrives. Je vais l'attraper. Hop. Le casque est... Ouais, exactement. Oh. Elle est en train de nous faire... Comment ça s'appelle le truc quand tu dois passer sous la corde, là? Oh, elle s'est pris les tâches. J'ai peur de... Ça va? Oui, non, j'y suis allée tout doucement. Oh, j'ai cru que c'était un... Hop, je te prends le casque. Admirer mes petites chaussettes. Tu vas pouvoir donc avoir 5 minutes. Un limbo, exactement, merci. Tu vas pouvoir avoir 5 minutes. Attends, tiens, je te laisse le casque, je vais prendre la souris. Oh, wow. Le mets pas tout de suite. Tac. Gauche, droite, peu importe sur celui-là? Ouais, peu importe globalement. Allez. Tu vas pouvoir me donner, donne-moi une musique, à peu près 5 minutes de musique. Qu'est-ce que t'as envie d'écouter? Franchement, mets-moi du Post Malone, au moins comme ça fait un shuffle et... Allez, mets-lui une musique de Post Malone qui dure 5 minutes. Est-ce qu'il y en a une ou pas, ou sinon t'en mets 2 à la suite? Ouais, mets-tu du Post Malone. Voilà, mets 2 à la suite, bon. Alors attends. On va mettre celle-là. Tac, on va la préparer. J'essaie de me chauffer, je vous avoue. Et Rockstar juste après. Parfait. Hop. 3 et 3, ajouté à la file d'attente. Est-ce que tu es prête? Allez, viens. Tu entends la musique? Ouais, c'est bon. C'est assez fort? Ouais, c'est bien. Oui, elle est bien. Ok. Est-ce que tu es prête? Je vais te rajouter... 5 minutes. 5 minutes de temps supplémentaire. Attends, il faut juste que je fasse start et que je fasse ça. Tac, comme ceci. Et tu vas pouvoir avoir tes 5 minutes. Trop bien. Où je ne peux pas te déconcentrer. Est-ce que tu es... Je suis prête. Prête. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti. Donc là, c'est le moment où on peut dire des bêtises sur Matou. C'est le moment où on peut dire que, franchement, je pensais pas qu'elle allait aller aussi loin. Parce que Rulta avait quand même été bah, super fort. Désolé, Rulta. Hein. C'est vrai que bon, Rulta, il avait un petit peu galéré. Écoute. Et là, le fait qu'elle soit allée à la même étape que Rulta, quasiment pareil. C'est exceptionnel. Je vous jure que c'est exceptionnel. Non, je vais parler normalement parce que je pense que... De toute façon, même si tu m'entends, Matou, c'est pas grave. C'est pas grave, même si tu m'entends, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Là, il va lui rester 4 minutes 20 pour terminer ce Lego. J'espère en tout cas que l'émission vous plaît à toute la team des cucurbitacés. Cucurbitacés. Je vous jure qu'avant la fin du live, je vais réussir à prononcer votre surnom, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié cette émission des blocs. Voilà, c'était la troisième émission. Il me fallait quelqu'un comme Matou, très pimpante, très joyeuse, etc. Et voilà,
ça fait plaisir en tout cas qu'elle ait accepté. Et franchement, elle a pas trop mal. Voilà, elle a pas trop mal, géré. Et franchement, bah, je pense qu'elle aura donné quand même son maximum. Maintenant, grosse petite entre. Là, elle le sait pas encore. Mais dans 3 minutes 30, vous allez pouvoir voter entre deux gages. Allez, bâtard! C'est exceptionnel ce que vous faites. Non, mais en tout cas, voilà, comme je vous le disais, dans 3 minutes, elle va avoir deux gages. Ok ? Elle va y avoir deux gages et ça va être à vous de voter pour le gage que vous préférez. Quel enfer ! Vous êtes des cracks, les gars. Vous êtes des cracks. Continuez ce que vous faites, vous êtes incroyables. Continuez ce que vous faites, vous êtes incroyable, les gars. Vous êtes incroyable, c'est un taf de fou que vous êtes en train de faire. Allez-y, allez-y, continuez. Continuez. Attendez, je vais lui en mettre moi aussi. Je vais lui en mettre. On peut lui en mettre 45 000. Bien joué, les gars, bien joué. Continuez. C'est bien, les gars, continuez. Non, mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment que l'émission vous a plu. C'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, n'hésitez pas, voilà, à lâcher un petit follow si jamais le contenu vous plaît. Des blogs, ça se passe un jeudi sur deux sur ma chaîne à 20h30. À chaque fois, voilà, c'est un invité, une invitée différente, des happenings, des épreuves, des choses, etc. Ça met énormément de temps à préparer. Merci beaucoup pour le follow, Luna. Merci à tous ceux qui ont follow durant le live. Ça met énormément de temps à préparer, mais voilà, je pense que c'est un réel plaisir pour moi, voilà, de chercher des petites choses qui peuvent faire rire les participants, qui peuvent les faire être un petit peu dans la sauce, les déconcentrer. Franchement, je kiffe ça. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre des blogs sur les réseaux, faut prendre l'exclamation des blogs et vous avez tous les réseaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, la VOD, donc le replay avec les vidéos, la vidéo de Matlou sera disponible du coup lundi. Lundi à 18h, vous pourrez avoir le replay sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force. C'est le petit instant promo, mais il reste 1 minute 20. On a passé quand même 2h30 ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, parfait. Ça me fait plaisir. En tout cas, c'est le but. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour elle, si c'est bon pour tout le monde est content. Et c'est ce qui compte. Voilà, c'est une nouvelle émission que j'ai créé vraiment. Elle date d'il y a un mois, les gars. On a commencé il y a un mois. Matlou, c'est la troisième invitée. Et ça fait peut-être déjà un mois que c'est prévu. Et elle a dit oui direct. Voilà, elle a pas cherché à comprendre. Elle a juste dit, vas-y, let's go, on y va. Je lui fais confiance. Et puis voilà, c'est incroyable qu'elle ait fait ça. Les yeux fermés, la plupart des gens qui sont venus sur des blocs m'ont fait confiance à l'aveugle. Ils se sont même pas renseignés sur le sujet. Ils se sont même pas renseignés sur l'émission. Donc voilà. Ça fait plaisir. Dans deux semaines, il y aura quelqu'un d'autre. Puis dans deux semaines, il y aura encore quelqu'un d'autre. C'est un jeudi sur deux. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura fait kiffer. En tout cas, il vous reste 20 secondes. On va faire le décompte ensemble. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on lâche les Lego. C'est terminé. Oh, alors, j'ai pas été beaucoup plus loin, j'étais à 110. 110, c'est déjà, 110. Je te jure, c'est déjà pas mal. J'étais tellement perdu 110, de temps. 110, tu as du coup pu dépasser Rulta. Bien joué. Ah, franchement, c'est une belle perf. Finalement, c'est une belle perf. Terrible. Bon. J'entendais les trucs dans mes oreilles. J'étais... Et ouais, franchement, vous êtes lâché le chat. Bien joué à tous ceux qui ont lâché des petits points de chaîne sur ça là. Franchement, GG. Terrible. Est-ce que t'es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Voilà. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais. On est censé avoir la mâchoire sur ta main droite et la tête sur ta main gauche. Voilà. Et bah, c'est un superbe T-Rex. C'est un superbe T-Rex, en effet. Mais voilà, franchement, t'as dépassé Rulta, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Première fois du coup sur les Lego, ça va, t'as kiffé? Ça va, franchement c'est très rigolo. Faut juste, je pense que mon organisation était pas bonne là-dessus, mais c'est une première fois à tout en fait. C'est ça, tu étais Team Playmobil, maintenant le calvaire est terminé.
pour toi. Le Lego entier ressemble à quoi? Bah alors attendez, attendez, j'ai la boîte. Attends, je vais vous montrer que la boîte sera peut-être mieux. Hop. Voilà. Le Lego entier est censé ressembler à ça. Voilà, donc en fait là, Matou est en train de faire cette partie-là. Donc vous voyez, il reste tout le haut du crâne, les dents, tout ça. Mais voilà, le Lego est censé ressembler à ça. Mais au moins, il n'y en a 577 pas. 577 pièces. Voilà. Voilà. Il est censé ressembler à ça et c'est du 9 ans et plus. Ça, c'était l'info qu'il ne fallait pas dire. Il manquait juste le haut du crâne. Ouais, en vrai, ça a été. Franchement, première fois Lego, t'as quand même réussi à faire des belles choses. Si t'as passé un bon moment, si les gens ont kiffé, franchement, c'est le principal. Voilà. Clairement. Rue de ta bosse. Bah du coup, est-ce que tu peux me donner un stylo, Lani? Tu vas pouvoir, du coup, signer l'étape sur laquelle tu t'es arrêté. Parce que, je le dis, voilà, c'était pas une autre raison de suivre des blocs. C'est qu'à la fin de la saison, on fera gagner le Lego parmi, parmi les gens de la chaîne, je vais voir comment est-ce qu'on le déterminera. Mais parmi les gens qui sont souvent là, on le fera du coup gagner à la fin de la saison. Et du coup, la personne qui gagnera le Lego aura du coup tous les autographes de chacun des streamers qui sont passés dans des blocs. Voilà, donc ce sera très cool. Mais de toute façon, ce sera à la fin de la saison. Bien sûr, puisque la saison 1 sera sur le thème des dinosaures. Et la saison 2, si y en a, je pense qu'il y en aura une, sera sur un autre thème. Trop bien. Et voilà. Bon, je suis désolé, Matou, C'est pas mal, Mais comme je t'ai dit, si jamais... Attends, le stylo, tiens. Je te laisse signer du coup à l'endroit auquel tu t'es arrêté. C'était étape 110. Voilà. Poup. On a une magnifique signature de Matou. Voilà, exactement. Tu peux même faire, je sais pas, une courge, une citrouille, ce que tu veux. C'est vrai. Messieurs, dames, bien sûr, vous le savez, oui, Oggy sera là pour la saison 2, bien sûr. Oggy, ce sera lui qui va bouffer les Legos. Ce sera lui qui va faire disparaître les pièces. J'aurais bien aimé mettre cette petite pièce-là, elle était stylée. Tyrannosaurus Rex, mais bon, dans le tout, on pourra pas la mettre. Mais alors, en fait, de base, elle était censée aller là. Mais c'est pas grave. C'est à la fin, je crois. Ouais, oui, c'est à la fin. Bon, voilà, c'est pas grave, dans nos cœurs, ils y sont. Bon, comme je te l'ai dit, si jamais tu ne réussis pas à faire le Lego, il se passe quelque chose. Il y a un gage. Il y a un gage, mais ce qui est marrant, c'est que le gage, j'ai pas voulu que ce soit moi qui le choisisse. C'est-à-dire, j'ai choisi des gages. C'est vrai. Mais ça va être à vous, chat, de voter pour le gage. Soyez gentil. Pour les deux gages suivants. On va vous laisser 2 minutes pour voter. Est-ce que vous êtes prêts? Ça me fait peur. Attention, les deux gages sont les suivants. En plus, on doit voir ce qu'il y avait dans la boîte noire ensuite après. On va voir ce qu'il y a dans la boîte noire. J'ai vraiment hâte de voir. Matou. Le premier gage, oui. Il s'agit d'un shooting photo. Tu dois faire un shooting photo en momie de PQ, comme à l'époque. Donc un vrai shooting photo Insta, voilà, avec quelqu'un qui te prend en photo, mon ami ou autre, même avec un iPhone, okay. Pas de souci. Mais tu dois vraiment genre, comme si c'était un shooting photo normal, pro, okay. Pro, mais en momie de PQ. Très bien, ok. Le deuxième gage, il s'agit d'un live cuisine. Tu dois faire un live cuisine avec une recette avec de la courge, avec ton costume de citrouille. Oh, je sais pas quel pire, finalement. J'ose même pas lequel est le pire. Lequel est le pire, c'est à ta communauté de voter. Oh putain. Allez, cliquez vous tasser. Pour ça, il y a 9 à 1. 9 votes sur lequel? Pour le live cuisine. 10 votes pour le live cuisine. Allez, je crois que ça va être sans appel. Hein. Je crois que ça va être sans appel. Vous avez 2 minutes pour voter. Oh, je sais pas ce que ça va donner. Avec de la courge et tout. Du coup, tu as une belle courge, sauf si tu ne veux pas la sacrifier. Si tu veux la laisser dans le décor et ne pas la sacrifier. Ou alors, tu peux utiliser la courge que tu as reçue aujourd'hui. Je l'ai achetée vraiment tout à l'heure, donc elle est très récente. Elle est fraîche. Ouais, je l'ai achetée vraiment tout à l'heure, donc elle est très récente. Donc, soit tu fais avec cette courge-là, soit cette courge-là, tu la laisses dans le décor. Ok. Je ne sais pas. À toi de décider. Mais en tout cas, voilà. On pourrait faire un live cuisine effectivement avec cette courge, ça serait très symbolique. C'est vrai que ce serait symbolique. Ce serait très symbolique. Ce serait pas mal. Ah, ça se fait. Il vous reste quelques secondes pour voter. Est-ce qu'on vote pour le shooting photo en momie de papier toilette ou un live cuisine avec de la courge et ton costume de citrouille? Il est toujours présent. Je sais pas si c'est pour ça que je me suis un peu renseigné sur le truc. Je me suis dit voilà, c'est-à-dire que vraiment. Il est apprécié ce costume. Voilà. Oh, je vais pas, en tout cas, je vais pas balancer les personnes qui m'ont aidé parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont aidé. Ouais. Voilà, je vais pas les balancer parce que bah,
Je pense qu'elles ont aussi envie de garder leur anonymat, mais je fais un gros big up à Bina, Laure et Boudi. Voilà, je m'en doutais. J'avais Bloody, c'était sûr, parce que j'avais donné son nom, Bina, j'en doutais. Ouais, mais j'ai été creusé un peu plus loin. C'est vrai que j'ai été creusé un peu plus loin. C'est-à-dire que Bloody m'a envoyé vers des personnes et voilà. Okay. J'ai pas pu tout mettre parce qu'honnêtement, elles m'ont envoyé des choses, ces personnes. J'ai pas tout mis. J'ai pas tout mis, voilà, mais elles m'ont envoyé certaines choses, voilà. Il y avait des anciennes photos, c'est ça ? Donc voilà. Oh là là. C'est bien sûr le gage numéro 2 qui a été sélectionné, le live cuisine avec de la courge en déguisement de citrouille, voilà. J'accepte. Tu n'as pas de temps pour le faire, tu le fais quand tu veux. Ok. Voilà, c'est vraiment en fonction de quand est-ce que t'as ça que tu peux caler dans ton emploi du temps. Oh là là. Mais voilà, en tout cas, le live cuisine devra arriver et on voudra voir ça. On voudra voir ça. Voilà. Je le planifierai. D'ailleurs, je me pose la question, il a eu quoi comme gage au Tabos ? Rulta ? Ouais. Alors Rulta, lui, c'était en gros, si tu veux, c'est un joueur compétitif sur Super Smash Bros. Donc il fait des LAN, il fait de l'e-sport, etc. Ok. Et en gros, il a un joueur main, tu vois. Ouais. Son main, c'est Rob. Et je lui ai dit, soit tu fais toute une LAN sans jouer ton main. Ouais. Soit tu tweets que Rob c'est de la grosse merde et que même genre un casu, un débutant pourrait perf avec ce perso. Il a du coup eu le tweet. Et je crois qu'il y a eu quasiment 6000 impressions, 50 likes et tout, alors que, enfin, tu vois, le jeu, il fait un peu moins. Et là, vraiment, les gens, ils ont... Il y a des gens qui sont les gens, ils ont kiffé, ils avaient des commentaires en mode, ouais, je le savais, tout. Enfin, je me régalais avec le pauvre, ça a dû écouter. Popcorn, du coup, voilà. Et Bubble, ouais. Premier invité, lui, c'est un fan d'Elden Ring, ce genre de choses. C'était soit il doit faire une vidéo 5 choses détestables sur Elden Ring, soit 5 bonnes raisons de jouer à Call of Duty, qu'il n'aime pas forcément. Voilà, du coup, ils ont choisi 5 bonnes raisons de jouer à Call of Duty. Et du coup, voilà, là, il était en train de faire justement la vidéo. Et il a fini à quel niveau, Val ? Lui, il a fait 140 et quelques. Mais lui, il avait déjà fait des Lego. Ah, lui, il avait déjà fait des Lego, voilà. Il en avait même offert à sa famille, tout ça, à Noël, genre il... Ah oui. Oh, je suis bien. Terrible. Et du coup, voilà, il avait déjà un petit peu d'expérience, donc voilà. Bravo à ceux qui ont voté que Matou allait réussir, c'est beau. Vous avez été là derrière. C'est beau, bravo. Mais en tout cas, voilà. Ça n'a pas ceux qui ont voté non, c'est compliqué, bah vous avez eu raison. C'est chaud, hein. Ça veut dire que même un expert est arrivé à la page 140, enfin est arrivé à l'étape 140. C'est ça, même quelqu'un qui gère les Lego est arrivé à la page 140. On est arrivé à 69, c'est bien. Voilà. Très bon chiffre. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que t'as passé un bon moment. Cool. Voilà, c'était le but. Je suis ravie d'avoir gagné celui-là pour monter un peu d'un niveau. Oui, non mais c'est bien. Du coup, t'es pas dernière. Oui, je suis pas dernière. T'es pas dernière. Et ça c'est beau. Bah, on espère du coup aussi que derrière votre écran, ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment. 140 sur... Sur beaucoup trop d'étapes. Combien ? Allez, 200 ? Non, 250. Sur 227 étapes. 227 étapes, Bubble est arrivé, je crois, à l'étape 200. Je vais vous donner le chiffre 140, exact. Je crois. C'était, 140 et quelques. Je crois, pour vous donner le chiffre exact de Bubble. Bubble qui avait été bon quand même pour une première édition. Bon. Il était arrivé à l'étape 141, Bubble. Voilà, incroyable. 141. J'ai pas réussi à reconnaître le T-Rex en regardant ça, mais... Non, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Tu repars du coup avec un superbe magazine et un superbe Butternut. Voilà. Incroyable. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous qui sont restés. Merci à tous qui ont follow la chaîne. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation un peu les yeux fermés parce que tu savais pas trop dans quoi tu t'embarquais. Très très cool. Voilà. Merci à ceux qui soutiennent, qui sont là, qui vont repartager les vidéos quand ça va sortir, qui donnent de la force. C'est incroyable. On vous fait plein de bisous. On espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et je pense qu'il est temps d'aller dormir. Il est 23h30. Mais t'as tellement gagné de temps qu'en fait ça a duré plus de temps que prévu. Donc félicitations. Félicitations. Merci à la régie, c'est vrai qu'on peut applaudir Lani. Bravo Lani, merci Lani à la régie. La femme de l'ombre. La femme de l'ombre, exactement, qui a bien carré, qu'on connaît bien sur cette chaîne. On vous fait plein de bisous. C'était Brossi, c'était Matou. C'était l'épisode 3 de Débloque. À plus dans le bus. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite en live. Passez un bon week-end. À bientôt tout le monde. Voilà, salut. Tous.